la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Le thème de notre enseignement de ce soir est intitulé Comprendre la loi. Know the law. La grâce. The grace. La Pâque et la sanctification. The Easter and the sanctification. Comprendre la loi. Understand the la law. La grâce, la Pâque et la sanctification. The Easter and the sanctification. Il a été constaté we saw que dans l'église aujourd'hui, that in the, l'église qui est un lieu de renouvellement d'intelligence, the church who is the place l'église qui est un lieu d'édification, edification place, où les enfants de Dieu doivent venir, où les chrétiens doivent venir s'abreuver de la parole de Dieu, s'abreuver de la vraie source. Learn about in the best word. L'église où l'on doit venir entendre la vraie parole du Seigneur pour être édifié sur le vrai fondement. To be edified to the ne joue plus son rôle fondamental. Didn't play his role. Nous pouvons voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs courants de pensée we can saw today that qui ont envahi l'église. Il y a plusieurs raisonnements philosophiques qui sont venus aujourd'hui. Who came today. Et ces raisonnements sont venus renverser la base doctrinale que Christ a établie dans son église. We don't come to reverse the doctrinal base Jesus. Aujourd'hui, chacun se lève et crée sa forme de doctrine. Today, each person avec ses pensées, avec son idéologie et avec sa manière de voir les choses. His manner to see the things. Aujourd'hui, beaucoup se sont détournés de la base. Today, some beaucoup se sont détournés de la parole de Dieu qui a été établie. They go far from the word que nous devons suivre. Established that we have to follow. Qui doit être pour nous un label. Which will be a label. Qui doit être pour nous un rappel. Which will be a et qui doit être pour nous un miroir dans lequel nous devons nous mirer pour savoir si nous sommes toujours sur le chemin et sur le fondement authentique sur lequel le Seigneur nous avait bâti au the début. Best foundation that God has built at the beginning. Et le Seigneur nous a donné ce rôle, cette fonction de rétablir sa doctrine dans son église. Re-establish this doctrine his... Lorsque la doctrine est bafouée, it is not respect. Il n'y a plus de compréhension. We don't have comprehension. Il n'y a plus d'entendement pour le peuple. We don't il n'y a plus d'espoir pour le peuple. We don't have hope. Parce que la doctrine est la feuille de route because sur laquelle le peuple doit marcher. It's the task that the people will walk. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to aujourd'hui, Jesus. Le Seigneur va régler beaucoup de sujets doctrinaux et beaucoup de problèmes some will qui visent l'église de la dernière heure who is coming to the last church et qui visent toutes les églises qui se préparent à cette veille du retour de Jésus who is prepared to the à sa rencontre. Of Jesus. Je rappelle le thème comprendre la loi. The topic is understand the law. La grâce, the grace. La Pâque et la sanctification. The Easter and the sanctification. Je vais vous envoyer dans le livre de Éphésiens 2 le verset 20. Let's read in Ephesians book. Le livre d'Éphésiens 2 le verset 20. Éphésiens chapitre 2 le verset 20. Oui, je lis au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. You were edified in the foundation of sur le fondement des prophètes. In the foundation et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire de ce and fondement. Jesus himself is the angular of cela voudra dire que la vie chrétienne a été bâtie sur un fondement. That means the life of Christian et c'est sur ce fondement que doivent être bâtis tous les enseignements qui doivent venir. And it is this foundation which has been followed by le fondement étant posé. The foundation was posed. Celui qui doit bâtir the one who has built doit faire recours au fondement qui a été posé has to take care of afin de bâtir conformément à ce qui a été prévu so he will à la base de son fondement to that foundation. Pour que le fondement reste toujours solide and et that ne tombe foundation pas. Will be solid and will not fall. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Vous allez me lire 1 Corinthiens 3, 10. Let's read 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Oui, je lis au nom de Jésus. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Et un autre bâti dessus. Another one built on that.
By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. Oui. But each one should build with care. Mais que chacun prenne garde. Oui. À la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. May let every take heed to his burden. Continuez. Le 11. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement. For no one can lay down any foundation other than. Que celui qui a été posé. The one already laid. Savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Which is Jesus Christ. Or personne ne peut poser un autre fondement. No man can lay. Que celui qui a été posé. Which is the one is laid by Jesus. Savoir Jésus-Christ. Quand nous faisons recours à Ephésiens 2, 20, nous allons voir qu'il est dit que Christ est lui-même la pierre angulaire de ce fondement. Donc le fondement qui doit rester dans le cœur de l'Église, dans le cœur des enfants de Dieu, est Christ. Donc tous les enseignements qui doivent venir doivent être basés sur l'esprit de Christ. Should be based in the spirit of Jesus. Parce que c'est l'image de Christ. Because it is the image of Christ. Qui doit être portée dans chaque cœur. Which will reveal. Pour révéler l'image du fondement posé initialement. To reveal the image of the initial. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Notre thème dit la loi, la grâce, la Pâque et la sanctification. The theme is the grace. Nous avons un lien entre les quatre éléments de ce thème. We have a relation on this, on premièrement, elements. Nous avons la loi. The first, we have the law. La grâce. The grace. La Pâque. The Easter. Et la sanctification. And the sanctification. Vous allez comprendre que ce sont des éléments. You will understand that those are elements. De doctrine qui se suivent. Doctrinal elements who are followers. Avant que la grâce n'arrive, before the grace comes, la loi a déjà agi dans le monde. The law has operated in the world. Et avant que la sanctification n'arrive, before the sanctification, Dieu avait déjà manifesté God son salut pour préparer les hommes salut à la sanctification. To prepare men to sanctification. Donc Dieu avait déjà tracé le chemin. God has avant que les hommes entrent dans sa sanctification. Before the man enter his sanctification. Donc tous ces quatre termes que nous allons développer aujourd'hui four terms sont des termes qui se réunissent et qui se relient, qui sont entre eux. Has a link between, donc si them. Quelqu'un ne comprend pas la loi, if someone don't understand the law, quelqu'un n'a pas la définition exacte ou la signification de la loi, someone don't have the definition of il ne peut law. Comprendre la grâce. He didn't understand the celui grace. Qui ne comprend pas la grâce, the one who didn't understand the grace, il va comprendre mal la Pâque du Seigneur. He not really understand the et celui qui of comprend law. Mal la Pâque, and the one who don't understand aussi ne saura pas qu'est-ce que la sanctification. Will not really know what is sanctification. Il va parler de la sanctification dans if sa bouche. Talk about sanctification, il va entendre parler de la sanctification. He will just hear about mais sanctification. Il ne pourra jamais cerner de quoi s'agit-il réellement that selon he Dieu. Didn't know really what is sanctification. Et il ne pourra jamais vivre une vie réelle de sanctification selon la volonté de Dieu. Of sanctification with the will of God. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. La loi dans son sens propre, the law in his meaning, veut tout simplement dire précepte, signifying precepte, règles, normes, rulers and norms, idéal, ideal, qui doit être pratiqué, which can be practiced, par un courant de pensée, by thinking, par une communauté, by a community, par un groupement d'hommes, by a group of men. Donc c'est l'ensemble des préceptes, it is ensemble of l'ensemble precepts. Des ordonnances. It is total ordinances. L'ensemble des interdictions ou des ordonnances. It is also interdiction. Qui s'applique who is applied à un groupe de personnes, to a group of persons, ou à une communauté, or a community, ou à un ensemble de personnes, or a person, ou à un courant de pensée, or a thinking. Donc la loi dans sa définition propre, the law in his meaning, est l'ensemble des règles qui doivent être régies, pratiquées. It is the rule who can be practiced. Gloire à Jésus. Glory to la God. Loi peut être une ordonnance et la loi peut être encore une pratique. It will be a practice or an ordinance.
Et aujourd'hui, nous allons faire la différence entre la loi et la grâce. Today we make difference between law and grace. Et nous allons aussi remonter dans les Écritures. And we go through the word. Pour parler de la loi selon la Bible, selon l'ancienne alliance. The law according to the old. Et nous allons aussi voir comment Christ perçoit la loi aujourd'hui. We will see also how Christ saw the law today. Parce que la loi a été prescrite dans les Écritures. Because the law has been prescribed in the word. La loi a été ordonnée dans les Écritures. It was ordained in the word. Est-ce que cette loi qui avait été ordonnée, qui avait été recommandée, qui avait été prescrite a aujourd'hui has today son exigence ou son application aujourd'hui en notre temps? His application in our days. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Pour comprendre de quelle loi nous sommes en train de parler, nous allons lire what law we are talking about, we let read le livre de Jean 1. Jean 1, le verset 17. John 1, verse 17. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Jean chapitre 1, le verset 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. The law has given by Moses. Donc Dieu avait déjà envoyé la loi dans le monde par Moïse. God has sent the law through Moses. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait faire? And what God wanted to do? Dans l'ancienne alliance. In the old covenant. Ou dans l'ancien temps, quand Dieu voulait se choisir un peuple. When he wanted to choose a people. Déjà dans sa présence. In his presence. Il avait prévu que l'homme marche dans cette voie. It was written that people will l'homme marche dans ses commandements. It walk according to his commandments. Mais nous savons tous que le péché est venu détruire. But we know all that la volonté parfaite de Dieu. The perfect la volonté initiale de Dieu qui était que l'homme reste dans ses voies et marche dans ses ordonnances. Who is that people stay in his et c'est way. Quand la transgression est entrée dans le monde. When the transgression quand in the péché world. Est entré dans le when monde. The sins come in the world. Il a eu sujet d'introduire une règle pour pouvoir réglementer les hommes et réglementer leur action sur la terre. He chose to introduce a subject, a law to reglement all everything in the world. Et avant même déjà cette loi, before Dieu that avait law, marché avec des hommes. God has walked ou du moins des hommes ont déjà marché avec Dieu. Walk, nous pouvons noter le patriarche Abraham. We can talk about patriarch Abraham. Même avant Abraham, nous pouvons noter le patriarche Noé. Before Abraham, we can talk Énorme et Moïse tous ceux qui ont marché dans la foi avec Dieu. And both who walk in faith with God. Donc en ce moment, il n'y avait pas des règles. In that moment, you don't have en ce moment, il n'y avait pas des precepts. En ce moment, les hommes marchaient avec Dieu uniquement par la foi. People are walking only with faith by with God. Et ils étaient libres. They are free. D'adorer Dieu en manifestant leur foi. To worship God in manifesting their faith. Jusqu'à ce que le Seigneur envoya Moïse pour in délivrer son peuple en Égypte. To deliver his people in Egypt. À cause des transgressions de son peuple. Because of the transgression et à cause de la souffrance de son peuple. And because of suffering of qu'il a conduit dans le pays lointain qui est Égypte. Who conduit him in Egypt. Et cette prophétie avait été déjà donnée à Abraham. And this prophecy was given lorsque to Abraham. Dieu lui parla et lui dit, when God tell him, suis-moi et je ferai de toi père d'une grande et multitude de nations. Le Seigneur l'avait annoncé qu'au fil des âges, son peuple Lord sera exterminé. That from ages, son peuple sera amené en captivité. They will be in captivity. Et sera traité malhonnêtement and pendant près de 400 ans. And will be not well treated in 400 years. Donc c'est quand le peuple était dans la captivité en train de crier. When people are in captivity and crying, que le Seigneur avait envoyé celui que nous appelons Moïse. God celui que les Écritures appellent Moïse pour délivrer le peuple de la captivité. To deliver the people from captivity. Pour sortir le peuple de la captivité. To bring them from captivity. Et c'est après cela maintenant que Dieu lui fit and after that, God donner des tables. Gave him table. Des tables sur lesquelles il a
inscrit les lois. On which he wrote the law. Et nous connaissons tous l'histoire des 10 commandements. And we all know the history of 10 commandments. Que nous pouvons lire dans le livre de Exode 20. That we can read on Exodus books. Nous pouvons lire ça. Exode 20. Exodus 20. C'est juste un rappel. Exode 20. Exode 20 à partir du verset 4. Exode chapitre 20 à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Tu ne te feras point d'image taillée. Ici, il s'agit des 10 commandements que Dieu lui a donné. Here it is the 10 commandments God gives them. You shall not make for yourself an image. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. In the form of anything in heaven above or on the earth beneath. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Or in the water below. Tu ne te prosterneras point devant elles. You shall not bow down to them. Et tu ne les serviras point. Or worship them. Car moi, l'Éternel, ton Dieu. For I, the Lord, your God. Je suis un Dieu jaloux. I'm a jealous God. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Punishing the children for the sin of the parents. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. To the third and fourth generation of those who hate me. Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations. But showing love to a thousand generations of those who love me. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. And keep my commands. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. You shall not misuse the name of the Lord your God. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. For the Lord will not hold anyone guilty who misuses his name. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Tu travailleras 6 jours. Oui. 6 days you shall labor. Et tu feras ton ouvrage. And do all your work. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. But the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. On it you shall not do any work. Ni toi. Never you. Ni ton fils. Nor your son. Ni ta fille. Or rather. Ni ton serviteur, nor your male, ni ta servante, or female servant, ni ton bétail, nor your animals, ni l'étranger qui est dans tes portes, nor any foreigner residing in your towns. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth. Et tout ce qui y est contenu. The sea and all that is in them. Et il s'est reposé le 7e jour. But rested on the 7th day. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honore ton père et ta mère. Honor your father and your mother. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. So that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Tu ne tueras point. You shall not murder. Tu ne commettras point d'adultère. You shall not commit adultery. Tu ne déroberas point. You shall not steal. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. You shall not give false testimony against your neighbors. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. You shall not cover your neighbor's house. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. You shall not covet your neighbor's wife. Ni son serviteur. Or his man. Ni sa servante. Or female servant. Ni son bœuf. His ass. Ni son âne. Or donkey. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Or amen. That belongs to your neighbor. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc nous venons de voir ces commandements qui ont été listés. We just saw the listing of the. Mais vous allez comprendre que parmi ces commandements, you understand that in those commandments, il y a des commandements qui sont des commandements de morale. Some are moral. Que nous pouvons appeler des lois morales que Dieu a prescrites au peuple. That we can call moral law that God prescribed. En ce temps-là. Mais parmi ces commandements, il y a des commandements qui ne subsistent pas jusqu'aujourd'hui. Some of them also didn't subsist till now. Dans la même manière où elle était pratiquée en ce moment où Dieu parlait au peuple d'Israël. God was talking to his Israel people. Parce que en ce temps, Dieu était en train de parler au peuple. God was talking to people qui ne connaissaient rien, who didn't know nothing, qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, who didn't hear mais qui connaissaient seulement les exploits que Dieu faisait par le Père. Only the prodigal thing un peuple qui était toujours conduit par un chef que Dieu désire du milieu d'eux. Donc ce peuple ne connaissait pas en réalité les lois du Seigneur. They don't really know the laws of Lord. Et donc le Seigneur avait introduit ces lois pour préparer son peuple. God had introduced the law to prepare his people. Et pour annoncer
ces lois spirituelles qui devaient amener dans les jours où elles devaient subsister, où elles devaient agir. Donc, face à l'immaturité, facing for that immaturity, au manque de connaissance de ce peuple en ce moment, for the lack of knowledge, il y avait plusieurs lois que Dieu avait prescrites. He has many laws, afin que le peuple les pratique. So the people practice them. Non pas parce que no, ces lois doivent rester pour toujours. Because those laws will stay for long. Dans la pratique. In the practice, mais parce que le peuple ne connaissait pas les choses spirituelles. Because the people didn't know spiritual. Et il faut qu'on utilise les choses matérielles. And we have to use les choses visibles. Visible, les images, the image, pour expliquer la loi qui est spirituelle au peuple de to explain, Dieu. To explain spiritual law to the people of God. Et c'est pourquoi nous pouvons voir, nous pouvons savoir en lisant le livre de la loi qu'il y a plusieurs types de lois. Reading the book of nous avons des lois sacrificielles liées au sacrifice, liées à l'expiation des péchés. Who is according to a nous avons des lois cérémonielles. Ceremonial sur les fêtes et sur beaucoup de choses que nous allons comprendre aujourd'hui. That we'll know today. Et nous allons faire, c'est-à-dire une relation entre la loi que Dieu avait donnée à Moïse. We'll make a relation between the law God gave to Moses. Et la grâce que Jésus-Christ nous a apportée. And the grace that Jesus brought. Voilà pourquoi au début je vous ai fait lire Jean 1, 17. It is why at the beginning qui dit la loi a été donnée par Moïse. That the law was given mais la by grâce Jesus. Et la vérité sont venues. Jésus-Christ. And the grace and the truth coming by Jesus Christ. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Lisez-moi le livre de Hébreux 8. Let's read Hebrew. Le livre de Hébreux 8 à partir du verset 1er. Starting by the first. Notre thème s'intitule la loi, la grâce, it's la Pâque et la sanctification. Is the law, the grace, the Easter and the sanctification. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Now the main point of what we are saying. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Is this we do have such a high priest. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Mm-hmm. And who serve in the sanctuary the true tabernacle set up by the Lord. Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Not by a mere human being. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Voilà. Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. And so it's necessary for this one also to have something to offer. S'il était sur la terre, if he were on earth, il ne serait pas même sacrificateur. He would not be a priest. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. For they are already priests who offer the gifts prescribed by the law. Lesquels célèbrent un culte. Oui. Image et ombre des choses célestes. Image et ombre des choses célestes. They serve at the sanctuary that is a copy and shadow of what is heaven. Oui. Selon que Moïse en fut divinement averti. Oui. This is why Moses was warning when he was about to build. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Le tabernacle. Oui. Est-ce soin lui fut-il dit, see to it that you make everything according. De faire tout selon d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. To a pattern shown you on the mountain. Mais maintenant il a obtenu un ministère. But in fact the ministry d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Jesus has received the spiritual verse. Qui a été établi sur de meilleures promesses. Amen. The covenant on which ici, il est question de Moïse et de Christ. Here it is a question of Moses and the Christ. Et vous allez bien comprendre que la loi était l'image des choses célestes. C'était l'ombre des choses célestes. It is the image of celestial. Des choses qui existent dans l'invisible. Those who exist in invisible. Mais qui sont présentées sous un aspect physique ou charnel. But who are presented in spirit. Afin que le peuple soit libre de les pratiquer. So the people will be free to donc practice. Dieu étant éternel, God who is il a également ses lois éternelles. He has also his eternal et pour pouvoir transmettre ses lois éternelles à son peuple, to give his eternal law to his people. Il rend ses lois comme des images, he make them be des choses visibles,
Les ombres que le peuple peut toucher du doigt. Que le peuple peut voir et contempler pour pouvoir mieux les appliquer. And apply them. Mais est-ce que cette loi a pu sauver? Est-ce que cette loi que Dieu avait donnée à Moïse, has this law that God gave to Moses, qui était pratiquée par le peuple juif, were practiced by the Jew, est-ce que cette loi a amené les choses à la perfection? Is this war bring parce que le but de la loi c'était de sauver le peuple. Because it is le, not but, to save people. Le but de la loi c'est de délivrer le peuple du péché. He started to deliver from sins. Et que le peuple marche maintenant dans les commandements de Dieu. And the people will walk in the commandment of God. Mais la question que nous devons nous poser, Dieu a envoyé Moïse. God sent Moses. Il lui a prescrit près de 600 lois. He gave all about 600 laws. Est-ce que ces lois ont pu amener le peuple have à those, la perfection? Have those laws bring people to the perfection? La réponse est non. The answer is no. Parce qu'il y a un autre ministère qui est plus supérieur que le ministère de la loi. Because we have another minister who is superior to the minister of the law. Et qui est venu après pour balayer ce qui était. Who came after to erase whatever is. Et wrong. Ça, nous allons comprendre ça dans le livre d'Hébreux 7. And we will understand quand vous lisez bien le livre d'Hébreux 7. When you read correctly. À partir du verset 11, il a été dit. Starting by verse 7, it was si said, la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique. If the perfection can be came by the sacerdotes Lévitique. Écoutez très bien. Le sacerdoce Lévitique c'est quoi? The sacerdotal Leviticus with what? C'est le sacerdoce qui était lié au culte. It is a relation with the culte. Et les Lévites étaient ceux-là qui dirigeaient le culte. Les sacrifices, les offrandes, les aumônes, tout ce qui était lié au temple, au tabernacle et au sacrifice. Everything according to Abraham and sacrifice. Donc Aaron qui était le chef de cette de ces offrandes qui se faisaient dans ce temple. Aaron was the chief of that. Parce que Aaron était aussi un Lévi. Because he was also a Levi. C'est pourquoi on parle de l'ordre d'Aaron ou l'ordre lévitique. It is why we say order of Aaron or order. Et lorsque Jésus-Christ est venu, when Jesus Christ come, qu'est-ce qui a été fait? What he did. Il a changé l'ordre lévitique qui ne pouvait rien amener à la perfection. He changed the Leviticus law who can bring anything to the perfection. Parce que dans l'ordre lévitique, il y a plusieurs lois qui se donnent au peuple. Because in that tribute, et ces lois se lisent tous les jours dans le temple. And those laws are already read in the temple. Accompagnées des pratiques qui devaient amener le peuple à la perfection, parce que c'était le but. Who can bring to the perfection because it was target. C'était le but de la loi, amener le peuple à la perfection. Bring the people to the perfection. Sanctifier le peuple par la loi. Sanctify the people by the law. Amener le peuple à Dieu. Bring the people. Mais voici ce que nous dit Hébreux. But this is what Hebrew said. Si donc la perfection avait été possible, if the perfection was possible, par le sacerdoce lévitique, by the sacerdotes, car il donne l'explication, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. It is this sacerdotes who take the foundation of the law. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? We don't have possibility to send another sacrificator according to selon l'ordre d'Aaron. According to the law of the Melchisedek, nor the Aaron tribute. Donc qu'est-ce que l'ordre lévitique disait? What the order of Leviticus say? L'ordre lévitique était là pour officialiser les lois qui étaient choisies. It was there to officialize the law who was written. Surtout les lois liées au sacrifice. Lié au temple et lié au sacerdoce. Mostly the law according to the sacrifice to the temple. Voilà pourquoi les Lévites n'avaient autre travail que de rester dans la maison de Dieu et de servir l'Éternel. This is why their only job is to stay in the temple of God and serve Him. Et c'est pour cela qu'ils étaient nourris par le temple. It is why they were nourished du service qu'ils by faisaient. The temple because of the work they de façon perpétuelle, ils le faisaient sans relâche. Perpetually and permanently. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? What Jesus done? Lorsqu'il est venu. When he came. On dit car le sacerdoce étant changé. The sacerdotes were changed. Nécessairement aussi il y a un changement de loi. Has a changement of law. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc lorsque Jésus est venu. When Jesus came. Le sacerdoce ancien.
The old sacerdoce a été changé, has been changed, a été balayé, has been erased, à cause de son imperfection d'amener l'homme au salut, to bring the people to the salute. C'est pourquoi ce sacerdoce a été changé. It's where the sacerdoce. Quand vous lisez bien le livre de Matthieu 5, when you read Matthew 5, le livre de Matthieu 5, le verset 17, in verse 17, le Seigneur dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Don't think that I'm coming to abolish the law and the prophets. Mais croyez que je suis venu. But know that l'accomplir. I'm coming to accomplish that. C'est-à-dire il y avait des imperfections dans la loi. That means they have imperfections. Qui ne pouvait sauver personne. Who can save et qui ne pouvait rien amener à la perfection. Who can bring nothing to the perfection. Parce que la loi était là. Because pour the law was there condamner le peuple. To condemn the la people. Loi était là pour impliquer le peuple aux œuvres. To bring the people in the work. Des œuvres qui ne pouvaient ni sauver. The work who can save. Qui ne pouvaient ni racheter. Who can save. Et la loi mettait le peuple en confiance en the ces œuvres qu'il pratiquait. In, interesting. Or, ces œuvres ne peuvent pas sauver le peuple. But this work can save people. Voilà pourquoi il y a eu un changement de sacerdoce. It's why we have a changement of sacerdoce. Il y a eu un changement de précepte. A changement of precept. Il y a eu un changement de loi. A changement of law. Puisque les lois qui étaient données au peuple, because the law who were given to qui people, étaient grand, en grande masse, ne pouvaient pas sauver le peuple. Can't save them. Et ne pouvaient délivrer le peuple. Can't deliver donc Christ, lorsqu'il est venu, when il a changé le sacerdoce. He changed the sacerdoce. Et il a fait du sacerdoce maintenant un sacerdoce royal. And make that sacerdoce become a kingly. Parce qu'il est le roi des rois. Because the et king le grand souverain sacrificateur. And the big sacrificer. Et dans le sacerdoce, il a été établi sacrificateur dont il porte l'ordre de Melchizedek. He was established sacrificator in order to Melchizedek. Donc ce sacerdoce qui existait, this sacerdoce qui conduisait asked, le peuple, qui appelait le sacerdoce lévitique, in to the Levitic sacerdoce, sur quoi est reposé beaucoup de choses dans la loi, in the, some things in the law, n'existe plus aujourd'hui parce que son application ne peut plus s'exercer aujourd'hui dans because la grâce. His application can't be exercised in the grace. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Parce que la grâce, because the grace, dit quoi? Say what? Tu as péché, you make sin. Mais je te donne une nouvelle chance. But I give you a new chance. Pour que tu ne retombes plus dans le péché. To not come, to not fall again in the sin. Mais la loi dit, but the law says, celui qui pêche, the one who makes sin, c'est lui qui mourra. It is him who will l'âme die. Qui pêche, c'est elle qui mourra. The soul who makes sin will die. Mais la grâce a dit quoi? But the grace say what? Celui qui pêche, the one who makes sin, et qui s'accroche à Jésus-Christ, and be tied to Jesus, qui est la vérité, sera sauvé. And how the truth will be saved. Et là, il ne sera plus sous le jugement. He will not be in the judgment. Il ne mourra plus, mais il passera de la mort à la vie. He will not die, but he will pass through donc the nous pouvons représenter la loi par la mort. Now we can represent et la grâce par death, la vie. And the grace by the life. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. La loi ici représente la mort parce que la loi n'a rien amené à la perfection. He can't bring to perfection. Et la grâce représente la vie parce que la grâce offre une nouvelle possibilité à l'homme de passer de la mort à la vie, une nouvelle possibilité d'être sauvé. The grace is the life because he can give possibility to be saved. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Lisez-moi Romains 5, 20. Let's read Romans 5, verse 20. Alléluia. Allez-y. Un peu plus vite. Romains chapitre 5, le verset 20. Oui. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Gloire à Jésus. The law brought in source that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Il dit, oh, la loi a intervenu pour que l'offense abondât. Moreover, the law entered that the sin might abound. Parce que lorsque la loi vient, l'offense when est aussi là. Come, the offense also is there. La loi vient pour rappeler l'offense. The law coming to repel offense. Parce que la loi abonde, fait abonder.
abonder l'offense because the law bring more and give abundance of et offense. Là où le péché a abondé, c'est-à-dire when the sins abound, là où la loi a abondé when également the law abound also, parce que la loi because the law qui amène le péché who bring the sin fait abonder aussi le péché bring also more the sin. Parce qu'à la connaissance de la loi because the knowledge of the law voulant tout pratiquer and make all et voulant échapper au châtiment and bring and go away from judgment. L'on tombe toujours dans le châtiment. We continue to fall in the seven. Parce que la loi est comme un cercle qui tourne. Because the law is like a circle who turn around. Et qui tourne. Who turn around. Mais celui qui se trouve au milieu ne sait pas comment faire pour sortir de ce cercle. But the one who is in the middle don't et know how. Et il tombe toujours dans la fosse. And continue qui est autour du down, cercle. Who is around et the c'est pourquoi circle. Quand la loi est venue. It is why they, when they block le but initial de la loi n'est pas de venir abonder le péché. The first attempt of the law son is not but to come de venir résoudre le problème du péché. It is to come to resolve the problems of sin. Mais Dieu a juste utilisé la loi comme God just used un chemin, like a way, comme un pont pour habituer le peuple, like a bridge to have habit to the people, à comprendre ce que Christ enseignera dans le futur. Christ will teach in the future. Voilà pourquoi la loi a conduit le peuple it is why the law dans la transgression. Et le peuple ne pouvait jamais respecter les commandements and people will not écrits dans la loi. Respect all the commandments. Et il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire la grâce vient submerger la loi qui the avait été donnée au peuple. Afin que comme le péché a régné par la mort, c'est-à-dire comme le péché a régné, when the sin reign, où l'offense a régné par la loi, reign by the law. Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. By the justice par Jésus-Christ notre Seigneur. By Jesus Christ, our Lord. Alléluia. Amen. Donc vous devez faire cette différence entre la grâce et la loi. You have to make this difference between grace and law. Parce que aujourd'hui nous sommes conduits par l'esprit de la grâce et non pas l'esprit de la loi. Because today we are drawn by the spirit of grace. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent toujours vivre dans l'esprit de la loi. Plenty people want stay in the spirit et of the ils law. Ne connaissent pas l'esprit de Christ qui est they la liberté. Spirit of Christ who l'esprit that is de Christ freedom. Qui donne la vie. The one who give the life. L'esprit de la grâce qui ramène à la vie et qui rachète. The spirit who bring to life and purchase again. Paul pouvait dire je ne rejette pas again, la grâce de Dieu. I don't reject the grace of God. Car si le salut s'obtenait par la loi, because Christ the, serait mort if en vain. Salvation by the grace by the law. Parce que la loi Jesus has n'a rien amené à la perfection. The law had didn't bring nothing. 1 Timothée 1 14. 1 Timothy 1. 1 Timothée 1 14. Verse 14. 1 Timothée chapitre 1 le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la and the, foi. And the grace of our Lord has surabondé en notre Seigneur in our Lord, Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc nous devons comprendre ici par ce que je viens de dire que le sacerdoce lévitique n'existe plus. Sacerdoce is not exist. Le sacerdoce lévitique et toutes les lois and all the law que compose ce sacerdote, les pratiques, les ablutions, all the ablutions, les sacrifices, the sacrifice, les cérémonies, the ceremonies, et même les fêtes and also the feast, sont en réalité changées. Are all changed. Et nous allons voir de quelle manière and we will see which manner ils ont été changés aujourd'hui. Been changed today. Parce que quand on parle d'abolition, because when we are talking about abolition, on ne parle pas de disparition. We are not talking about disparition. En réalité, la manière de pratiquer la loi in reality, a été changée. The manner to practice the law has been changed. La loi dit, the law says, vous devez fêter le septième jour. You have to feast qui est le sabbat. Day. Who is the Sabbath? En un jour, et vous comptez le jour, vous faites les décomptes. You have to count that day. Mais aujourd'hui, dans la grâce, but today in the grace, cette même loi étant changée, this same law who has been changed, n'exige plus à fêter le septième jour comme il était dit
dans la loi. Didn't permit to celebrate the seventh day. Parce que c'était quoi? L'ombre des choses à venir dans la réalité ou dans because le corps. It is the reverse of the thing who will come. Être en Christ. Vous pouvez lire ça dans Colossiens 2. Christ. You can read in Colossiens 2, le verset 17. Colossiens 2, verse Colossiens 2. Nous allons lire Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, le verset 17. C'était l'homme des choses à venir. These are the shadow of the thing that were to come. Mais le corps est en Christ. Oui, mais le corps est en Christ. The body is in the Christ. C'était l'ombre des choses à venir. It was the shadow of things mais to come. Mais en réalité, le corps se but trouve en Christ. The body is l'accomplissement in Christ. Se trouve en Christ. The accomplishment is in Christ. L'application, the application, le vrai sens, the good sense, et la réalité, the reality, se trouve en Christ. Is in Christ. Donc aujourd'hui, cette loi ne peut plus être pratiquée de la même manière today, où elle était. We don't need to practice the same parce way. Que tout le sacerdoce lévitique se réunit en Christ. Because all the Leviticus sacerdotes reunit alors in Christ. Tout ce qui est fait dans le sacerdoce lévitique so everything who is done in the sacerdoce connaît aujourd'hui un changement radical. The radical changement. Donc nous n'avons plus aujourd'hui nous mettre à ramener les lois we don't need to bring back that law. Qui se trouvent dans le sacerdoce lévitique who were in Leviticus et les sacerdotes. Quelques autres lois de la Torah, and the other law of Torah qui ne peuvent pas sauver who can save. Et qui ne sont pas des lois liées à la moralité who are not law parce qu'il y a des lois comme tu ne tueras point like you can't kill. Tu ne convoiteras point qui sont des lois que Dieu lui-même avait déjà écrites dans le cœur de tout homme. God had wrote in the earth of et même everybody. Sans aucune prescription. And without any sans prescription. Aucune ordonnance et aucun précepte. Precept. Ces lois subsisteront toujours God dans l'intérieur même dans le cœur de l'homme. Et éternellement. Parce que ce sont des lois que Dieu lui-même avait déjà écrites en nous. It is the law that God mais il y a des lois qui sont écrites we have some law who et qui wrong. Doivent être pratiquées seulement and who has been practiced lorsqu'on les lit. When we are reading et chaque them. Jour, on prend le livre de la loi and each day we take in the book et of on law. Médite tous les préceptes and make a meditation of all those precepts pour les mettre en pratique. To make them in practice. Nous allons voir si ces choses sont possibles. Let's see if those things are possible. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Lisez-nous Hébreux 10. Let's read in Hebrew 10. Hébreux 10, le verset 1. Verse 1. Hébreux chapitre 10, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. The law is only a shadow of the good thing that are coming. Et non les actes représentations des choses. Not the realities themselves. Ne peut jamais. Oui. For this reason, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. By the same sacrifice repeated endlessly year after year. Amener les assistants à la perfection. Make perfect those who draw near to worship. Oui. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Will they not have stopped being offered? Parce que ceux qui rendent ce culte, oui. For the worshipper, étant une fois purifiés, oui. Cleansed once for all, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Normalement, no c'est ce qui devait être. It mais continuez, vous allez voir. But continue, we'll see. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Voilà. Le, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. But the remembrance was et il continue de dire car il est impossible que le sang des taureaux because et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit when Christ entered in the world, tu n'as voulu ni sacrifice you don't ni need any holocauste mais any tu holocaust. M'as formé un corps. But you gave me a body. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et c'est pourquoi Colossiens 2, 17 nous dit it's where Colossians 2 verse 7. Que ce sont l'ombre des choses. It is the shadows of things. À venir, dont le corps est en Christ. That the body is in Christ. Le corps en réalité représente Christ. The body in reality represents Christ. L'accomplissement est en Christ. Voilà the pourquoi Dieu ne voulait plus de sacrifice. It's why God don't mais want qu'est-ce sacrifice. Qu'il fait? What he wants? Il fait un corps. Il forme lui-même un corps.
He make himself qu'il envoie dans le monde and he send in the world pour représenter toutes les lois antérieures qui avaient été données au peuple. All over the law who has given to the people. Et pour rendre maintenant parfait and to make perfect la loi the law avait besoin d'être parfait. Who has been perfect. Parce que la loi n'était pas totalement parfaite. Because those law is not really et nous avons perfect. Bien vu dans Hébreux 7, we saw in Hebrews 7 11, où il a été dit si le sacerdoce antérieur avait été s'il avait été parfait, il n'aurait pas perfect. Été possible. Ou bien qu'on mette un autre sacerdoce. That will bring another qu'on mette un autre sacerdoce pour justifier to justify le peuple. Il dit tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour you le péché. Like any sacrifice and holocaust. Alors j'ai dit voici je viens and dans I le say, rouleau livre, il est question de moi. It is question of me. Là il annonce ou bien il rappelle une prophétie qui and avait now, été déjà annoncée dans les prophètes. The prophet. Quand ce jour-là ce ne sera plus les sacrifices that on that qui sauveront sacrifice who will come. Parce que ce sera quoi? Le rouleau du livre. Because it will be et le rouleau du livre aujourd'hui représente papers. Qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Who is the Christ, Jesus Christ. Donc c'est pour vous dire en réalité que it la loi tell you that the law dans son sens qui représente in his sense, who précepte, ordonnance, precept, ordonnance, règle, rulers, appliqué à la loi qui avait été donnée applicable to learn à Moïse, to Moses, aujourd'hui n'a today, plus en réalité son application dans l'église today his ou dans la grâce. The churches, donc ces lois aujourd'hui ne peuvent plus agir those laws today cannot comme elles étaient dans la loi. Like they were in the law. Dans la loi que Dieu avait donnée à the Moïse. That God gave to Moses. Mais ces lois ont été abolies. But those laws à cause de leur imperfection. Because of their imperfection. Et dans ces lois ont été retranchées. We remove toutes les lois. The, all the laws. Dont la réalité se retrouve en Jésus-Christ. That the reality are in Christ. Et qui ne Jesus peuvent Christ. Pas apporter de salut, c'est-à-dire inutile. Salvation. Donc il y a des lois inutiles que Dieu a enlevées, que Dieu a balayées. They have not perfected law that God can remove. Et il envoie Christ pour représenter toutes and ces lois. Christ to represent all those laws. Pour nous montrer que ce ne sont pas par les œuvres de la loi que nous sommes justifiés. To see that it is not the act the, by the mais que ce ne sont pas les œuvres. But de la foi que Christ nous donne. That Christ gives us. Lisons le livre de Romains 3. Let's read in Roman books. Verse 3. Romains 3. Chapitre le verset 19. Romains chapitre 3, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. À partir du verset 19. Ah, nous savons. Now we know. Que écoute, tout ce écoutez bien. Listen carefully. Que tout ce que dit la loi. That whatever the law says. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. It says to those who are under the law. Afin que toute bouche soit fermée. So that every mouth may be silenced. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. And with one word held accountable to the God. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Therefore no one will be declared righteous in God's sight. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. By the word of law, rather through the law il we dit, become conscious. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. It is by the law we have the knowledge of sin. Et personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. And nobody can be guilty by the works of sin. Alors si personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi, if nobody can be guilty by the est-ce que nous allons retourner dans la loi? Has we be returned to the law? Chercher les préceptes de la loi. Checking the precepts of law. Vouloir continuer à marcher dans la loi. Continue to walk in the law. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Is what we have to do? Gloire à Jésus. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Is it what we have to do? Parce que aujourd'hui nous voyons que beaucoup ont laissé la parole de Dieu. We see some beaucoup ont laissé le vrai fondement. Qui est le solide fondement. They lead the solid fundament. Qu'ils doivent suivre. That they have to follow. Pour s'attacher aujourd'hui à un autre fondement. And qui n'est pas dans le fondement de Christ. Another foundation who is not the foundation of Christ. Un sacerdoce ancien. An old sacerdote. Une ancienne loi. Old law. Qui n'a plus aujourd'hui. Who hasn't today. Son efficacité. Is efficace, efficient. Une ancienne loi inutile aujourd'hui. An old law who is mais not que beaucoup veulent formater. That much we want for veulent faith. Ramener aujourd'hui dans la grâce. Bring back in the grace. Ça ne marchera pas. It's not parce wrong. Que la loi
n'a rien amené à la perfection. Don't bring nothing to perfection. La loi n'a sauvé personne. It don't save nobody. Tous ceux qui s'attachent à la loi ne pourront pas être justifiés par Everybody Dieu. Everybody who attached to the law can be justified by God. Quel est le but de But Dieu? What is the target of God? C'est de nous justifier. It is to justify us. Et nous, ce que nous cherchons, c'est la justification And de what Dieu. We will check is the justification. Voilà que la justice ne s'obtient pas par la loi. But the free of God Et la justification ne peut se donner par la loi. The justification will not be obtained by la the justice law. S'obtient par la foi. The justice will be obtained Et by la the justification faith. Également s'obtient par la foi. And the justification also by the faith. Et tout ça, c'est l'œuvre de la grâce. All those is the work c'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez vous laisser conduire par l'esprit de la grâce plutôt que de vous laisser conduire par l'esprit de la loi. Not by the spirit of Parce the que beaucoup se disent enfants de Christ Many ou serviteurs de Christ I'm Christian aujourd'hui, mais ils veulent toujours ramener les œuvres de la loi. But they want bring back the works of the law. Or Christ et la loi But the Christ and the law ne sont pas unis. Are not unified. Christ est opposé à la loi. Christ is Parce que Christ to the law. Est la véritable loi qui doit nous sauver aujourd'hui. Christ is the veritable law who can Et si nous laissons Christ pour nous attacher à la loi, When we leave Christ qui n'a pas to pu the law. Amener ceux qui l'ont pratiqué à la perfection. Who are not able to bring people who practice them to the perfection. Le peuple the people dans le désert in the desert. Est mort dans le désert. Died in the desert. Tous ceux qui sont venus après Moïse, those who come before Moïse, pratiquer la loi n'ont rien trouvé de parfait dans la loi. Don't crap, parce que le péché était toujours là et dominait sur eux. Because the sin was there and dominated. Jusqu'à la période où Dieu lui-même vient maintenant changer les choses, reformer les choses, reform pour introduire une nouvelle loi. And introduce a new law. Qui est quoi? Who is? Une loi spirituelle. Spiritual law. Lisez-moi Hébreu 9. Let's read it. Hébreu 9 à partir du verset 24. Starting by verse 24. Hébreu chapitre 9 à partir du verset 24. On n'est pas encore arrivé sur le sujet de la Pâque et de la sanctification. Parce qu'il faut d'abord que vous compreniez sanctification subject. La loi et la grâce. We have to understand the law and et the si grace. Vous comprenez ça, vous allez comprendre If you understand ce that, que représente la Pâque aujourd'hui. Understand what the Easter today. Parce que aujourd'hui, Because today, nous sommes à un moment où beaucoup célèbrent la Pâque. We are one moment that nous sommes dans une période Easter. Où les églises célèbrent la Pâque. We are in a period les religieux that célèbrent la Pâque. Religious celebrate Easter. Où les Juifs aussi célèbrent la Pâque. And the Jews also celebrate them Pâque, Easter. Lisez-moi. Hébreux 9 à partir du verset 24. Oui, lisez. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. For Christ did not enter a sanctuary made Ailleurs, nous venons de lire que les Lévites travaillaient dans le tabernacle. We saw that the Leviticus working in the tabernacle. Maintenant. Now. En initiation du véritable. That was only a copy of a true one. Mais il est entré dans le ciel lui-même. He entered heaven voilà. Itself. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face Now de Dieu. Now to appear for us in God's presence. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Nor did he enter even to offer himself again and again. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire. The way the high priest enters the most holy place every year. Avec du sang étranger. With blood that is not his own. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Christ would have had to suffer many times. Depuis la création du monde. Since the creation of the world. Tandis que maintenant. But he has appeared. À la fin des siècles. Once for all. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. At the culmination il a paru, gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Il a paru quoi? Une seule fois pour abolir le péché. He appeared one time to abolish the sin. Par son sacrifice. By his sacrifice. Tout ce que nous devons chercher à connaître aujourd'hui. What we have to know today. C'est l'offrande du sacrifice de Jésus-Christ. Is the offering of sacrifice of Jesus. Parce que c'est l'offrande du sacrifice de Jésus qui abolit le péché. Because it's the offering of sacrifice of Jesus who abolished the sin. C'est par son offrande. It is by his offering. Qu'ont été accomplis tout ce qui sont écrits. That everything à son sujet, was dans la loi et dans les prophètes. In the law and by C'est pourquoi dans Matthieu 5, 17, il le rappelle. Matthew 5, verse 17, qu'il est venu non pour abolir la He's loi, not to abolish the law, mais pour l'accomplir. But to accomplish C'est-à-dire, it.
Il doit redresser la loi, recorriger la loi. He has to make straight. Et rendre parfait la loi. And make it perfect. Parce que la loi en elle-même n'est pas mauvaise. Because the law himself is not bad. Mais les prescriptions de la loi. But the prescription of rendre the law. Le peuple sous un joug qui ne pouvait pas lui permettre d'être d'émerger ou d'être libre. Who can that make to be liberated and to be free? Parce que la loi dit tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça, tu ne marches pas comme ça, fais attention. Pay attention. Pour être sauvé, tu dois faire ce sacrifice. To be saved, you have to make et that sacrifice. Et beaucoup de lois tout autour. And many laws. Et le peuple était mélangé. And the people were extreme. Et le peuple portait sa foi parce qu'il est dit que celui qui pratique toute la loi, tous les préceptes de la loi sera sauvé par elle. Will be saved by him. Oh, personne ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Tous ceux qui se confient en la loi sont tous sous la malédiction parce qu'ils sont conduits par l'esprit de la loi. In malédiction because they have strived by the spirit of the law. Donc, ici nous voyons dans Hébreux 9 when we saw in que Jésus est venu pour abolir le péché par son sacrifice. The sin en réalité, nous devons comprendre qu'il est venu pour faire quoi. Par son sacrifice, il est venu pour finir avec les préceptes erronés de la loi to finish with the qui ne pouvaient sauver personne well not analyze et qui ont fait en telle sorte que le peuple d'Israël n'a pas connu le véritable. And do that the people of Israel don't permit. Il est venu pour l'abolir, pour le changer, them, pour l'enlever, to remove et pour montrer ce qui devrait être. And to show what will be. Et ce qui devait être. And what it should be. Ce que l'on devait faire. What we should do. C'est pourquoi il est venu pour changer le sacerdoce. That's why he came to change the sacerdoce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc vous allez comprendre quand vous méditez bien you le livre d'Hébreux. Vous allez voir que à chaque fois on parle d'une nombre. Parce que la loi a été une nombre des choses qui nous conduisent we à are Christ. Talking about a shadow because the law was a shadow droppers. C'est comme je vais vous expliquer ça de façon terre à terre. Let explain. C'est comme un enfant qui vient de naître. It is like a child who was born. Normalement quand l'enfant naît, il doit marcher. He has to walk. Mais pour qu'il marche, il faut qu'on lui apprenne les rudiments de naissance. We have to teach him the foundation. Il grandit en marchant d'un côté. He grow up walking by his side. En se couchant sur le ventre. Sleeping in the et petit à petit, il grandit. And small, slowly he grows. Et quand il grandit maintenant, il connaît ce qui est parfait. He know what is perfect. C'est là qu'il comprend qu'en réalité, pour apprendre à marcher, ce n'était pas comme ça. Il faut apprendre à marcher. To learn to walk is not the start way he had to learn. Et c'est aussi comme un enfant qui doit être instruit. Who has à l'école, on lui apprend des petites choses. At school, we mais teach him something. Quand il a grandi dans when la connaissance, grew up in knowledge, il finit par comprendre qu'en réalité, ce n'est pas that it's not le parfait qu'il avait appris au début. The perfect he has learned at the donc beginning. La loi a été juste comme un pédagogue. The law like la loi a été juste like comme un teacher. Chemin tracé pour like, montrer au peuple like a way to show the people la voie du salut. The way of mais salvation. Comme la loi était imparfaite, it was imperfection. Parce qu'elle était de faibles rudiments. Because it's elle ne pouvait well pas sauver. And can't save. Elle n'a pas pu sauver le peuple. It can't save the people. Et le peuple n'avait pas compris que la loi était imparfaite. And the people didn't understand that et the law depuis was not tout perfect. Ce temps, le peuple était toujours dans la loi, en train de nager dans la loi, autour de la loi. Swimming in the law. Jusqu'au jour où till ils connaissent they know la grâce de Dieu qui a été grace of God will give. Et c'est par cette grâce maintenant que le salut a été accordé gratuitement aux hommes. Was give freely to the nous savons très bien qu'au temps de la loi, l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas sur tout homme. We know that in the period of l'Esprit law, de Dieu n'était pas God en tout homme. L'Esprit de Dieu saisissait juste des hommes. It ou des femmes qui distinguaient du peuple pour les utiliser. People to use them. Et c'est là nous pouvons comprendre qu'il y avait même des sacrificateurs dans l'ancienne alliance. There we know that we have sacrificators in old covenant. Des Lévites. The Levites. Il y avait aussi des juges. The judges. Et en plus des prophètes. And also prophets. Et également nous pouvons voir des prophétesses and qui étaient dans l'ancienne alliance.
prophétesses. Et c'est parce que it is why l'Esprit du Seigneur ne pouvait pas agir en chacun, c'est-à-dire the Spirit en tout le monde. God can work in each body. Que Dieu sélectionnait des personnes dans that l'assemblée. God chose people in the assembly. Qui devait utiliser et de qui en qui devait mettre son esprit and he put his pour conduire tout le peuple. To drop all the people. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez plus voir des sacrificateurs dans l'église. You can't see sacrificateurs. Vous ne pouvez plus churches voir des prophétesses aujourd'hui dans l'église you can't de Dieu. See prophétesses. Parce qu'il n'y a plus la conception de prophétesse dans l'église. This conception is not as eyes. Parce que être prophète, c'est recevoir une fonction de Dieu. Because be prophet, un rôle function of God. Qui émane d'une autorité a qui doit être exercée selon la mission que Dieu confie. Can be as eyes, like the mission God. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la today, grâce dit? What grace je répondrai mon esprit sur toute chair. I will put my spirit et la grâce a été accompagnée de promesses comme and the grace has been followed by ils prophétiseront, like ils chasseront des démons, they ils parleront de nouvelles langues. Et cela se fera par qui? Mes serviteurs et mes servants. By my servant and my servitor. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous sommes tous reliés par le même esprit. Today we are all link by the same spirit. Et tout homme aujourd'hui vivant sous la grâce and everybody who et marchant par l'esprit de Christ and walking by peut aujourd'hui prophétiser. Ça c'est très prophétise simple. Parce que l'esprit de Dieu en lui because the spirit, the spirit lui communique les pensées de Christ. Et l'esprit qu'il a reçu est un esprit de quoi? And spirit he received est l'esprit de la prophétie. Of prophecy. Quand nous lisons bien Apocalypse 19, when we read up Revelation, 10, verse 9. Le témoin de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi tous ceux qui ont le témoin de Jésus, qui ont reçu le témoin de Jésus, peuvent prophétiser. Can prophesy. Et même les paroles qui sortent de leur bouche deviennent quoi? Des prophéties. All the word. Parce que l'esprit de la prophétie qui est en eux les utilise à parler par des prophéties. Use them donc, to talk by prophecy. Ce n'est pas aujourd'hui parce que it is not today because un homme prophétise a man ou un frère de l'église prophétise or a brother qui sera prophecy, automatiquement appelé ou nommé prophète. That he will be called prophet. Ce n'est pas parce qu'une sœur prophétise aujourd'hui not because a sister qu'elle sera nommée ou appelée prophétesse. That we call them or nomme him parce prophet. Que le sacerdoce a été changé. Has been l'application des lois également ont été changées. Has also la been distinction changed. A été changée. The distinction also has been changed. L'esprit se répand aujourd'hui. Je suis tout homme. The spirit et tout homme peut prophétiser. Man gloire à Jésus. Man can prophétise. D'où il n'y a plus de prophétesse aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Today we don't have prophetesses in church. Même au temps de la grâce. Even if it is the grace moment. Le temps de la grâce allait dans son cours. The period of grace is coming, going. Vous allez comprendre qu'il y avait une prophétesse qui était dans le temple et qui annonçait même Jésus. You will understand that we have prophetess in the temple. Elle s'appelle Jesus. Anne, la fille de Samuel. She's called Anna. Dans le livre de Luc 2:36. The daughter of Samuel. Cette prophétesse était toujours. This prophetess. C'est-à-dire dans le temps ancien. Time. Seulement que Christ est venu when Christ came, et il était aussi prêchant sous l'ancienne alliance teaching in the old covenant. Mais quand Christ est mort et ressuscité when he was died and wake and rise, l'ancienne alliance a été changée. C'est pourquoi vous allez the comprendre old covenant has changed. Que même autant Jésus you don't understand il y avait les sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs qui étaient dans le temple. Sacrificateurs et il y avait aussi temple. Les concepts de temple, les sacrifices, tout était là. Have many concepts. Donc lorsque Jésus était venu, il when était Jesus comme came, he pour was eux, like, une secte qui est venue annuler ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il le combattait à tout prix. Parce qu'il a remis en cause toute la loi. What they are preaching, et il veut maintenant établir une nouvelle loi. And he established a new donc, law. Jusqu'à ce temps, la loi till that period, était toujours en train de continuer. Continue. C'est-à-dire son œuvre en Israël. His work in Israel. Et c'est pourquoi la prophétie d'Ésaïe 42. It's why the prophecy of Isaiah 42. Sur le Messie. In the Messiah. Qui dit il says, n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Stop the et ne brisera pas le roseau cassé. And he will not break nous the explique bien broken. Que le roseau représente la loi. You know that this et la cassure représente les imperfections de la loi. And the break la loi était déjà faible. Law.
La loi était déjà morte. He was dead. Donc lorsque Christ est venu, when Christ come, il ne va pas totalement ou en même temps suspendre la loi ou achever la loi. He will not reject all. Parce que la loi avait un problème. Because the law has a problem. Qui était son incapacité. His incapacity. De justifier l'homme, to justify man, de sanctifier l'homme, to sanctify man, de glorifier l'homme, to glorify man, et de rendre parfait l'homme, and to make perfect. Or, l'objectif de la mission de Jésus-Christ, but the target of the mission of Jesus Christ, c'est de venir rendre parfaitement quelle est la volonté de Dieu aux hommes. Is to come announce really the perfection and the willing of Jesus to the man. Amener à la connaissance des hommes, quelle est la vérité? Come to show to the non. Quelle est la réalité? The reality, quel est le vrai sens spirituel de ce qui doit être retenu dans la loi? Sense of what will be retained in the law. Et c'est pourquoi la mèche qui brûle encore représente l'ancienne alliance. Represent the old covenant. Et la période entre l'ancienne alliance and et la nouvelle alliance. The old and the new alliance. Et n'oubliez pas que l'ancienne alliance a été scellée par les lois. Les sacrifices et tout ça, par Moïse que Dieu avait désigné. By Moses, donc la période de entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, the period between the old and the new covenant, était la mèche qui brûle, and the qui brûle, was qui brûle à son terme. In his finishing. Donc comme la loi allait déjà à son terme à la and fin, the law is going to his end, et que Christ est venu and au milieu des deux lois, between the between et entre la période de la fin de l'ancienne alliance the end of the et du début de la nouvelle alliance, new covenant, il faut qu'il laisse l'ancienne alliance finir son cours to lay the old pour maintenant appliquer sa nouvelle loi qu'il avait amenée. Now use voilà new law pourquoi il était question de juste redresser la loi it was et de laisser brûler la période, and to leave the, c'est-à-dire finir la période. To leave the period la période est en train de brûler. Elle est en train de courir vers son terme. It is going at his end. Et maintenant, il faut rétablir les choses. So we have et to establish quand things. Rétablir les choses. Qui peut dire dans Apocalypse 20? He can say in Revelation. Qui ne permet pas la femme Jézabel qui se dit prophétesse d'enseigner et séduire ses serviteurs? To teach and seduce. Parce que en ce temps-là, la mèche était déjà brûlée. Because on that and those times, the candle was fired. Un nouveau sacerdoce. And a new sacerdoce. Lévitique. Who is not Lévitique? Chanel. Mais un sacerdoce spirituel, royal et céleste. But a royalty. Pour and maintenant, sacerdoce. Changer les choses et faire de tous les hommes des sacrificateurs comme Christ. The people, des rois comme Christ. Like Christ, the King. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'était juste des parenthèses. Those are parentheses. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons comprendre. We know now. Le vrai sens spirituel de la Pâque. The real sense of the Easter. Que signifie la Pâque? Le vrai sens de la What Pâque. Is the meaning of est-ce que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans l'Église de Jésus, is today in the new covenant, nous pouvons ou nous devons célébrer la Pâque juive? We can celebrate the Jew. La Pâque juive. Qui est fait selon le calendrier hébraïque. Who is make like a Hebraic calendar. Parce qu'il y a le calendrier hébraïque. Because we have the il y a plusieurs autres calendriers aujourd'hui. And over calendars. Est-ce que nous pouvons célébrer cette Pâque juive? Can we celebrate at that Easter? Est-ce que nous pouvons aussi célébrer? Can we celebrate? Ou fêter la Pâque des religieux que nous voyons aujourd'hui? Also the Easter of the religious. We la Pâque que les églises catholiques célèbrent et que beaucoup célèbrent. Est-ce que aujourd'hui dans l'église nous pouvons célébrer ces deux fêtes? Can we today in church celebrate those feasts? Qu'est-ce que nous devons célébrer? What we can celebrate? Je vais vous poser une question. Est-ce que nous devons célébrer la question. Pâque? Can we celebrate the Easter? Est-ce que nous pouvons ou nous devons célébrer la Pâque? Can we celebrate or can we do Easter? Question réponse. Est-ce que nous pouvons question, célébrer la Pâque? Answer. Can we celebrate Easter? Personne pour répondre. Nobody to answer. Oui, il y a le frère qui veut répondre. We have one brother. Est-ce que aujourd'hui, il est nécessaire que nous célébrons la Pâque? Is it necessary today to celebrate Easter? Moi, je dirais non. I will say no. Parce que la Pâque, because c'était Easter une prophétie qui est déjà accomplie. Was a prophecy en notre was Seigneur accomplished Jésus-Christ. By our Lord Jesus Christ. Ok, c'est la réponse du frère. This is the answer of the brother. Je veux
réponse. Est-ce que nous pouvons célébrer la Pâque? Can we celebrate Easter today? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord connaître ce que représente la Pâque ou ce que signifie la Pâque. Before answer this question, we have to know what represents and what is Easter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, selon les calendriers de Today, according to the calendar, de Pâques et autres, nous ne pouvons plus le faire comme selon quel calendrier? Calendrier hébraïque, according Romain, to the Greek and Roman calendar, we don't need to follow Pâque, to celebrate Easter Pâque, because Christ is our Easter. Chaque jour, and he was immolated. Nous Christ, nous and each day we celebrate Christ, we are feasting Easter. Gloire à Jésus. Glory to Donc Jesus. Le frère dit the brother said, que nous ne pouvons plus marcher selon le calendrier hébraïque calendar tout ce qu'on appelle calendrier pour célébrer la Pâque. To celebrate Easter. Gloire à Jésus. Glory D'abord, Jesus. Quand nous parlons de la Pâque, when we are talking nous devons nous rappeler Easter, premièrement de quelque chose, d'un événement. Think firstly something. C'est la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte of the que nous pouvons lire dans le livre de Genèse d'Exode 12. Dans le livre d'Exode 12. C'est une grande histoire It's a big story. Que je vais juste simplifier. Quand that I will simplify, resume. Quand le peuple était dans la souffrance et when Dieu envoyait Moïse, and il avait envie de tuer un agneau to kill et d'utiliser le sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux de chaque famille, de chaque maison, and use afin que lorsque in all gates l'ange de la mort viendra visiter and when the angel of les death maisons, come to visit il the pousse et paie le peuple de Dieu et que les premiers nés d'Égypte soit tué. And the firstborn in Egyptian will be dead. Pour inciter le roi Pharaon à libérer le peuple de Dieu. Force Pharaon to liberate d'où est sorti the people of God. La Pâque. Who is Donc la Pâque représente quoi? The Easter represents what? La délivrance du the peuple juif. Of the Jew people. Représente à son état originel, représente la libération que Dieu a accordée à son peuple. The freedom that God gave to his de people la captivité. From captivity. C'est ce que représente It's what la Pâque. Represent Easter. Et après cela, après cette after délivrance that, que Dieu avait accordée au peuple, after this deliverance God gave to his people, le Seigneur leur a rappelé maintenant the Lord has dans une autre loi in que cette Pâque sera célébrée de façon perpétuel pour les descendants d'Israël. That this Easter will be celebrated perpetually pour the le peuple son of d'Israël. From the people que nous of pouvons Israel. Lire dans le livre de Lévitique 23. That we can read in Leviticus 23 books. Là nous allons lire. Let's read. Lévitique 23. Là vous allez voir les fêtes so you will see que l'Éternel avait ordonné à son peuple. You will see the feasts that God had ordained to his people. Lévitique 23. Lévitique 23 à partir. Qu'on appelle les sept fêtes de l'Éternel, dont la Pâque qui est la première fête. What we are calling the seven feasts of Eternal, who the first one is Easter. Oui. Lévitique 23 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit. The Lord said to Moses. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Speak to Israelites and say to them. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez These are my appointed festivals. Seront de saintes convocations. The appointed festival of the Lord which you are to proclaim as sacred assemblies. Voici quelles sont mes fêtes. Here are six days when you may work. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat. But the seventh day is the day of Sabbath rest. Le jour du repos. A day of sacred assembly. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. You are not to do any work. C'est le sabbat de l'Éternel. Wow. Whatever you lead, it's the Sabbath of Dans God. Dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. Vis-à-vis Lord appointed festival. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. The sacred assembly you are to proclaim at their appointed Le premier times. Mois. Oui. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. The Lord Passover will begin at the twilight line on the 14th day of the first month. Et le 15e jour de ce mois. On the 15th day of that month. Ce sera la fête des pains sans levain. The Lord Festival of Unleavened Bread. En l'honneur de l'Éternel.
Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. For 7 days you must eat bread made without yeast. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. You have plenty things to say about this subject. Je vais vous lister les 7 fêtes de l'Éternel ici dans Lévitique. Of eternal in here in Leviticus. Nous pouvons trouver la fête we can see the de la Pâque juive of the Easter Jewish que nous venons de lire. Il y a aussi la fête we have also a feast nommé Azim, qui est le pain sans levain. Who is an unbeliever. Il y a aussi la fête des prémices. The premises feast. Il y a aussi la fête des semaines. La fête des semaines. Weeks. Des semaines. Weeks. La fête des trompettes. Trumpets feast. La fête des expiations. Expiation feast. Et la fête des tabernacles. Tabernacle. La fête des tabernacles. Donc, c'est cette fête qui ont été les fêtes qui représentent les cinq convocations de l'Éternel. Que Dieu avait prescrit that God's card prescrit dans le sacerdoce lévitique. In the Leviticus sacerdoce. Dans le temps ancien. In the old time. Mais qu'est-ce que Hébreu nous dit? But what Hebrew is saying? Qu'il y a un changement de sacerdoce. That we have et que le sacerdoce lévitique and Levitical a été changé, qui est dirigé par Aaron, selon l'ordre d'Aaron, a été changé et est maintenant le sacerdoce, un nouveau sacerdoce, selon l'ordre de Melchizedek. The new sacerdoce according to the Melchizedek représente qui? Melchizedek est à l'image du Dieu invisible que personne ne peut voir God et qui nobody can see. A porté l'image du Fils de Dieu. And we are the image of the Son of God. Il a été le grand souverain sacrificateur de Dieu. He is the big sacrificator of et qui a été l'image et l'ombre, la préfiguration de Christ. The image and the shadow. Donc on nous dit qu'aujourd'hui nous ne sommes plus conduits par l'ordre lévitique, mais nous sommes conduits par quel ordre? Nous sommes conduits par l'ordre de Melchizedek. We are not direct the Leviticus order, but the, by Melchizedek order. Alors que nous voyons les lois cérémonielles. When we saw the ceremonial law. Et ici, qui représentent les fêtes de l'Éternel. Who are the feasts of Eternal? Qui sont les 7 fêtes ici? Who are the 7 feasts there? Est-ce que nous allons pratiquer ces lois aujourd'hui? Will we practice those laws today? Nous ne pouvons pas pratiquer ces lois. We don't need parce to que la Pâque juive, qui est because la première loi, Esther, who is the first law, tant aux fêtes que Dieu avait données à Israël, to the feast God gave to Israel, était fait selon le calendrier hébraïque. Done according selon to le calendrier judaïque. According to et ce calendrier calendar impose quoi? Les décomptes. On fait le décompte des mois. And this calendar on commence par faire le décompte des jours. We have to count the days. Voir de quelle veille nous sommes, quel jour nous sommes. Seeing what, where, which day we are. Pour pouvoir fêter la fête. To come to this feast. Et après ça, il y a aussi after en that, même temps la fête des pains sans levain. We have the unleavened et c'est une continuité bread de fêtes qui doivent être célébrées tout au long. It is some feasts who have been celebrated along. Est-ce que c'est de cette manière que nous devons célébrer? Ah, but this way we have to celebrate. Aujourd'hui en Jésus-Christ. In Jesus non. Christ, no. Vous devez savoir que cette loi n'est plus en vigueur aujourd'hui you dans la nouvelle alliance. This law is not working in the new covenant. Parce que la loi a été changée, le sacerdoce a été changé, comme je viens de le dire. The sacerdoce et il y a changed un nouveau sacerdoce. Et nous allons comprendre comment il faut célébrer la Pâque. And we have to know how to tout celebrate à l'heure, un frère a répondu que nous ne pouvons plus célébrer la Pâque. One brother said we don't need to celebrate Easter. Vous devez savoir que you la Pâque chrétienne doit être célébrée. C'est pourquoi j'ai fait la différence entre celebrated toutes les Pâques que nous entendons aujourd'hui. It's why we make il y a la Pâque juive que nous venons de voir dans les 7 fêtes de l'Éternel, qui est la première des fêtes Easter, who is the first dans Lévitique 23. Easter. Il y a aussi la Pâque, we have also ou Easter les Pâques comme nous entendons aujourd'hui, like les religieux fêtes aussi. That même ceux qui ne connaissent jamais Christ aussi fêtent cela. Those parce que la Pâque représente quoi? Célébrer. La délivrance. Because he said plusieurs deliverance nations, plusieurs peuples païens aussi by ont été libérés dans les nations. Also the pagans et c'est devenu pour eux comme des fêtes solennelles. And it become like solennelles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Cela a été introduit. And today, dans le catholicisme pour former un paganisme religieux.
Et c'est pourquoi on met la Pâque, mais vous allez voir S à la fin. It's why donc on l'appelle les Pâques. X donc plusieurs fêtes, c'est-à-dire l'ensemble de où le lien entre la fête catholique it is a relation between ou les fêtes, la Pâque religieuse and, or religious et Easter. Aussi la Pâque de ceux du monde ou des païens. Pagan et après Easter. Cela maintenant, il y a after la Pâque chrétienne we have a Christian que nous devons Easter. Célébrer. That we have to celebrate. Voilà pourquoi au début, j'ai dit, est-ce que nous pouvons célébrer la Pâque? Can we celebrate donc, il y a Easter? Plusieurs nuances à ce niveau. We have to make differences. Nous ne pouvons pas célébrer la Pâque juive aujourd'hui. We don't need to celebrate Jew. Et c'est pourquoi au début, je rappelais que la loi a été abolie I'm telling that the law was parce que les abolished. Pratiques ne sont plus aujourd'hui dans la grâce. Because the practice is not in the grace, la Pâque demeure. The Pâques, the mais la loi juive qui explique la Pâque, comment on doit fêter la Pâque, n'est plus en vigueur aujourd'hui. Is not at, parce qu'aujourd'hui, la manière de célébrer la Pâque because est différente de la manière dont la Pâque était célébrée selon un calendrier. It was celebrated on calculait the calendar. Le mois, l'année, we are calculating months, la veille et le jour the previous day de la Pâque. Pour pouvoir célébrer, fêter la Pâque comme en un jour qu'on choisit dans l'année. Like one day donc selon le calendrier hébraïque, according to the Hebraic la Pâque et toutes les autres fêtes que vous avez vues Pâques sont célébrées en conformité des lois, des jours, des années, des semaines qu'on doit respecter. Et si ce n'est pas respecté, ce ne sera plus la fête ou la Pâque qui doit être if célébrée selon it, cette loi. Easter will be celebrated according to this law. Do you understand? Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques. Let's read in 2 Chroniques 8, le verset 13. 2 Chronicles, verse 13. 2 Chroniques 8, le verset 13. 2 Chroniques, chapitre 8, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Ici, il s'agit de Salomon, le fils de David. Continue. Yes, it's Solomon, the son of David. Il offra ce qui était prescrit par Moïse. Mm-hmm. Par Moïse. By Moses. Pour chaque jour. Mm-hmm. Pour les sabbats. Pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, trois fois l'année. Voilà. According to the daily requirement for offering commanded by Moses for the Sabbath, the new moons and the three annual festival, the festival on unleavened bread, the festival of week and the festival of tabernacles. À la fête des fêtes des pains sans levain. Voilà. À la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Vous voyez? Les mêmes fêtes ont été rappelées également ici. Those feasts has been remembered here. Et comme c'était dans la loi, like it was Salomon aussi l'a appliqué. Solomon also has applied. Conforme à la loi qui avait été donnée par Moïse. Conform to the law given by Moses. Mais nous venons de rappeler que toutes ces choses sont l'ombre des choses qui doivent we have être remembered en that Christ. All those things are the shadow of things who will be in Christ. Dont l'accomplissement se retrouve en Christ. And the accomplishment is in donc c'est pour dire que Christ déjà englouti toutes ces lois, we toutes ces pratiques. Cover all those practices, all et those si laws. Nous avons Christ, and we, if nous n'avons plus besoin de faire recours we don't need à toutes ces lois qui sont inscrites sur des tables. To call all those laws who are established in the tables. Et qui doivent être pratiquées. And who will be pratiqued. Est-ce que vous êtes des Juifs? Are you Jew? Qui est Juif ici? Who is Jew here? Qui est un Juif? Who is Jew? Personne n'est juif. Nobody is not Jew. Mais beaucoup aujourd'hui ne sont pas juifs, mais ils veulent célébrer la Pâque juive. Some today are not Jew, but want to celebrate. Ce qui est Jew une hérésie et une erreur. Someone who is an error and hérésie. Lisez-moi Hébreux 7, 18. Let's read Hebrews 7, verse 18. Hébreux 7, 18. Notez tous les versets. Note all the verses. Hébreux 7, 18. Hébreux chapitre 7, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Oui. The former ecclesiastic set aside à cause de son impuissance et de son inutilité. Et quand il parle ici, weak and when he's talking, il parle surtout du sacerdoce lévitique et de toutes les lois qui sont dans le sacerdoce lévitique. He's talking about Leviticus sacerdos and the two and all the insufficiency who is in this law. Car la loi n'a rien amené à la perfection. For the law made nothing perfect. Et introduction d'une meilleure espérance. And a better hope is introduced. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. By which we draw near to God.
Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, and it was not without an oath, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, or they became priests without any oath, Jésus l'est devenu avec serment. But he became a priest without an oath. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'est bon. It is okay. Donc c'est clair. It is clear. C'est bien clair. So clear. Maintenant nous allons comprendre la Pâque chrétienne. We now understand the Easter of Christians. Parce que la Pâque religieuse, because the religious Easter, n'est même pas dans les Écritures. It is not in the Bible. Et n'a même aucun fondement biblique. Has any biblical foundation. Au moins la Pâque juive a été pour une ordonnance antérieure qui n'est plus aujourd'hui praticable. The Jew Easter was. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 2:8? What il dit que personne ne vous séduise. May nobody seduce you. Par ses raisonnements. By his reason. Par la philosophie. By his philosophy. En ne s'appuyant pas sur Christ. Not basing himself to Jesus. Mais sur ses propres traditions qui sont la tradition des hommes. His own tradition, who is the tradition of man. Jésus même reprend dans Marc 7. Jesus en disant vous abandonnez le commandement de Dieu pour vous attacher aux traditions des hommes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Come close to the ce n'est aucun commandement, mais it's what we say ils sont conduits par la tradition des hommes. We are only drawn par les préceptes des hommes. Of mom, et of ils sont dans men. Le fêter, le boire, le manger. Only in drinking, comme dans Esaïe 22:13 qui dit mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Let eat, drink, because tomorrow we die. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est la véritable Pâque. What concerns is alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Clap to the Lord Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Clap to the Lord Jesus. Lisez-moi Colossiens 2:16. Let's read Colossiens 2:16. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Que personne donc ne vous juge. Therefore, do not let anyone judge you. Au sujet du manger et du boire. By what you eat or drink. Ou au sujet d'une fête. Or with regard to a d'une religion nouvelle lune ou des sabbats. A new moon celebration or a Sabbath day. Voilà. Que personne ne vous juge, c'est-à-dire que personne ne vient vous forcer aujourd'hui en vous disant que vous devez pratiquer le sabbat. Comme le septième jour, like the seventh day, que vous devez toujours forcément adorer Dieu le septième jour du mois, selon bien sûr le calendrier hébraïque. Que personne ne vient vous forcer aujourd'hui que vous devez fêter toutes les sept fêtes de l'Éternel, y compris la Pâque, comme le calendrier hébraïque le dit. Vous êtes libre en Jésus Christ. You are free in Jesus Christ. Parce que le Seigneur est la liberté. Because the Lord et la loi de Christ est la loi qui affranchit, c'est la loi spirituelle. Ce n'est pas la loi Chanel. Donc si nous avons la loi de Christ, Chanel, qui est la loi spirituelle, if you have this n'allons law, pas encore retourner aux faibles rudiments. We have not to go back to our what we live. Qui ont été du passé et qui ne peuvent who plus être our past and can be used now. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Lisez-moi le livre de Galates. Let's Galates 4, verset 9. Galates 4, verset 9. Vous allez écouter le discours de l'apôtre Paul aux Galates à cause du désordre qui s'est introduit dans cette église. Galates chapitre 4, le verset 9. Ils voulaient faire comme les Hébreux, ils voulaient fêter la Pâque. They want make like Hebrew. En un jour. In one day. En observant les jours, les lois, etc. Lisez-moi. Observance of the law and Galates 4, le verset 9. Mais à présent. But now. Que vous avez connu Dieu. That you know God. Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Or rather I know by God. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? How is it that you faible et pauvre rudiments? Oui, miserable forces. Aucun de nouveau vous voulez vous asservir encore. Est-ce que vous comprenez? To be enslaved by them all over again. Ils ont été longtemps dans ces faibles rudiments. They stay long moments. C'est-à-dire dans des faibles. Dans des observations des jours, dans les nouvelles lunes. Checking the day, checking the moon. Mais Paul dit, vous avez connu Christ. Comment vous allez retourner dans ces faibles et anciens rudiments que vous avez abandonnés? Est-ce que c'est ce que Christ vous a enseigné? Is that what Christ et il dit quoi? And they say, le 10. Vous observez les jours. You observe in special days. Les mois. And months. Les temps et les années. And seasons and years. Je crée
Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. I fear Amen. For you that somehow il dit, vous observez les jours. You observe days. Vous observez les mois, les années. Days, months, et years. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. I fear that I work for nothing with you. Il veut toujours observer les jours. They want to stay pour eux, ils doivent day. Fêter la Pâque. For them, they have to make comme feast. C'est écrit dans la loi like de Moïse. It was written in the law of Moses. Or, le calendrier hébraïque n'est plus d'actualité aujourd'hui. The calendar of pour nous qui sommes des chrétiens, for we qui avions avant connu Christ et qui nous déclarons fils de Christ, and say we are the son of praise, ne pouvons plus retourner à ces faibles rudiments. We have not to return to those things. Donc, si tu veux célébrer la Pâque juive, you want to celebrate Jew Easter, en observant les jours, les années, the day, the month, qu'est-ce the que year, tu dois faire? What we should do. Tu dois être fidèle envers la loi. You should be parce que la loi dit que celui qui veut pratiquer la loi doit pratiquer toute la loi. The one who sans omettre une seule loi. Have to make all the law. Donc ceux qui veulent fêter la Pâque comme les Juifs, the one who has celebrated doivent se référer aux sept fêtes de l'Éternel qui se retrouvent dans Leviticus 23. Parce que c'est une continuité et c'est une suite. Continued. Et ils doivent fêter aussi le sabbat. They have to la fête des pains sans levain. Or, ils oublient que toutes ces fêtes se retrouvent en Jésus-Christ. Stay in Jesus. Lisez-moi 1 Corinthiens 5. Let's read 1 c'est bien écrit, éclairé dans le livre de 1 Corinthiens 5. It's well right. 1 Corinthiens 5, le verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Faites disparaître le vieux levain. Get rid of the old yeast. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. So faites disparaître le vieux levain. Mais disappear the old bread. Puisque vous êtes sans levain. As you really are. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. For Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Célébrons donc la fête. Therefore, let us keep the festival. Non avec du vieux levain. Not avec bread, du vieux levain. Not with the old bread. Non, avec un levain de malice et de méchanceté. With malice and weakness. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Hallelujah. Un living bread. Gloire à Jésus. Il dit quoi? Christ est notre Pâque. Christ is our Easter. Christ est notre Christ is et our Easter. Et qu'est-ce que Galates 2 veut nous dire? What Galates 2 si je vis, ce n'est plus moi qui vis. If I mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Cela voudrait dire que la Pâque aujourd'hui n'est plus un jour à célébrer. Not a day that la Pâque n'est plus une année, n'est plus des semaines. Year, mais la Pâque est en nous. But it is parce que Christ est notre Pâque. Because et Christ is our si nous devons célébrer aujourd'hui la Pâque, qu'est-ce que nous allons faire? Il nous suffit juste de glorifier Christ qui vit en nous. En lui rendant grâce et en étant reconnaissant du salut qu'il nous a accordé à la croix. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir dans 1 Corinthiens 6, 20. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 20, glorifiez Dieu dans votre corps puisque vous avez été racheté à un grand prix. Donc la Pâque chrétienne qui est la vraie Pâque signifie quoi? The Easter of la délivrance du péché. Signifie deliverance of la libération du joug du péché freedom from the yoke par Jésus-Christ by Jesus Christ et le salut and the salvation qui s'obtient par la foi by the faith et par la grâce que Dieu accorde and the aux croyants that God qui obtient le salut de Dieu who obtain the donc aujourd'hui la Pâque n'est plus quoi un jour que nous devons célébrer mais la Pâque devient quoi the Easter became la Pâque devient quoi? Became. La Pâque est en nous et nous devons célébrer comment la Pâque. Puisque la Bible dit glorifier Dieu dans votre corps. The Bible says glorify si God Dieu doit être glorifié dans notre corps. If God has alors Dieu doit être body, célébré dans notre corps. That means he has to be celebrated. En combien de jours? Every. En tous les jours. In every day. Alléluia. Amen. Dieu doit être célébré dans notre corps. God should be celebrated en tous les jours. In our et non en un seul jour. No one day. Philippiens 1, 20. Philippiens 1, lisez-moi Philippiens 1, 20. Philippiens 1, 20. Philippiens chapitre 1, le verset 20. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui.
selon ma ferme attente et mon espérance. I eagerly expect and hope that que je n'aurai honte de rien. Que je n'aurai honte de rien. Be ashamed. Mais que maintenant, oui, comme toujours. Comme toujours. I have sufficient courage so that Christ sera glorifié dans mon corps. Christ sera glorifié dans mon corps. In my body. Avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Soit par ma vie. Soit par ma vie. Soit par ma mort. Soit par ma mort. Est-ce que vous comprenez? Do you really Il understand? A totalement expliqué ça. He has explained it Comme totally toujours, that Christ soit glorifié dans mon corps. Every time Christ has been glorifying my body. Que il dit soit pas ma vie ou soit pas ma mort. Cela like veut dire tous les jours que life. Je sois en vie, que je sois malade, if il I faut que it, Christ soit glorifié like dans mon corps. May Christ be glorified. Et cela in my veut dire que body. Si Christ est glorifié dans that ton corps. Christ is glorifying your body. Tu es en train de glorifier Christ qui représente la Pâque. C'est-à-dire que tu es en train de célébrer la vraie Pâque. Célébrer the best. Vous devez savoir que nous, les vrais chrétiens, you should know that nous célébrons notre Pâque. We celebrate nous our fêtons Easter. Aussi la Pâque. We celebrate Mais nous our ne Easter. Fêtons pas la Pâque pour le manger et le boire. We don't celebrate it Parce for que le royaume des cieux ne consiste pas au manger Because et le boire. Kingdom of heaven is Mais le royaume des cieux consiste en l'application des commandements de Dieu. Is application of the commandment of Beaucoup God. Aujourd'hui veulent célébrer la Pâque en un jour. Someone celebrate the Easter in one day. Et ils observent la lune. And they are checking of the Pour voir la direction de la lune. To see his direction. Ils observent les calendriers. They are checking the calendar. Pour voir la direction des calendriers. To see the direction. Oh, la lune, les calendriers et toutes ces choses se sont accomplies en Jésus. Accompli. Il suffit maintenant juste d'observer Jésus. It is only to follow Jesus. Et nous sommes en train de fêter. And we continue Il suffit juste de voir Jésus. You have just to feast your in Jesus Christ. Et nous avons toutes les fêtes de Dieu. And you have all the feasts of God. Donc cela voudra dire that means que le nom de Jésus-Christ, the name of Jesus Christ, seul déjà nous suffit. Only is sufficient pour fêter notre Pâque. To celebrate our Easter. Do you Donc understand? La Pâque aujourd'hui n'est plus en un jour. The Easter today Parce is not aujourd'hui, one day. Because Moi, je glorifie Dieu. Me, I glorify Et God. Je célèbre la Pâque. And I celebrate C'est-à-dire, Christ. Je me réjouis de la délivrance que Christ m'a accordée. The deliverance God gave me. J'étais dans le péché. I was in sin. Mais Christ est venu, il m'a sorti du péché. Christ came and removed me from sin. Et tous les jours, il and nous accorde la même délivrance. He gave me the same deliverance. Tous les jours, il nous ressort de péché. Ou de plusieurs péchés. He removed me from Cela voudra dire que nous, notre délivrance, that mean our ce n'est pas la délivrance que Dieu avait accordée à Israël. Deliverance God Mais notre délivrance est celle que Jésus-Christ nous a accordée de façon individuellement. Jesus individuel, en nous retirant chacun de nos sins, de nos péchés. C'est les Israélites ou les Juifs It is the Israelites qui sont toujours and dans la loi et qui pratiquent la loi who are in the law and qui célèbrent la Pâque and celebrate Easter. Celui qui dit qu'il appartient à Christ the one say he ne connaît pas God. Ces choses. Don't know those things. Et pourquoi ces hérésies sont introduites aujourd'hui Why dans la chrétienté? Those hérésies are coming Christian? Parce qu'au lieu de s'attacher à l'Esprit de Christ qui Because sauve attached to à l'Esprit Spirit de Dieu qui libère who save, who keep free Les frères aujourd'hui s'attachent à quoi? The brothers à l'esprit de la loi. Attached to the Pourquoi? Spirit Parce of qu'ils the n'arrivent law. Pas à faire la différence entre la loi difference between the law et Christ. And Christ. La loi et la grâce. The law Ils n'arrivent the pas grace. À faire la différence the difference entre la doctrine du Seigneur in the law doctrine et les faits bibliques, les éléments bibliques, les and lois the bibliques. Biblical law. C'est pourquoi je dis souvent que It's tout ce qui est biblique n'est pas doctrinal dans la chrétienté. Everything who is biblical Il y a plusieurs éléments qui sont bibliques. We have plenty things who Mais are biblical. Que nous devons mettre de côté si nous voulons marcher dans une vie That chrétienne put at oversight qui plaît à Dieu, work. Qui plaît à l'esprit qui nous conduit aujourd'hui dans la grâce. Please the spirit who drop us in the grace. Nous sommes conduits par l'esprit de Jésus-Christ qui est l'esprit de la grâce We are et l'esprit de la liberté. Of Jesus, who is the et quand l'esprit of de la liberté intervient, il nous permet When de quoi d'exceller dans notre marche chrétienne en laissant derrière nous les jougs païens, les jougs du passé. The yoke of pagan, the yoke of past.
La fête que nous avons à célébrer, the feast we have to celebrate, n'est pas sur la terre. It is not on the earth. Nous n'avons pas à manger sur la terre. We don't need to eat on the earth. Nous n'avons pas à manger comme ceux qui mangent aujourd'hui. We don't need to eat like the world who eat today. Pendant que le monde mange, nous sommes en train de pleurer. When the world is eating, we are crying. Si le monde aime le Seigneur Jésus, if the world loves him, Jesus le Christ, monde est, si le monde aime vraiment le Seigneur Jésus, if they really love Jesus Christ, et qu'il l'a crucifié, and qu'il l'a rejeté. They reject him. Ce n'est pas au monde de fêter aujourd'hui la Pâque qui est la délivrance. Parce que le monde a rejeté Christ qui est la Pâque. Because the world has rejected Christ. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, you know that today, il y a des mouvements qui ne sont pas chrétiens qui fêtent la Pâque. Plenty movements who are not Christian. Vous allez constater même que les Juifs qui ont livré Jésus ont Jésus, qui ont renié sa seigneurie, who reject his seigneurie, qui continuent de fêter la Pâque. Ou comme une pratique journalière. Like a quotidien. Mais nous qui avons connu le vrai Christ et ceux qui l'ont rejeté et qui prétendent fêter une Pâque, and we say we want, il doit y avoir une différence. Parce que nous ne connaissons plus Jésus Christ du point de vue charnel, mais nous le voyons maintenant du point de vue spirituel. But we saw him. Et si nous le voyons du point de vue spirituel, if we saw him spiritually, nous devons nous souvenir de cette loi ou de cette commandement qui dit, je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. For the mercy, not for the sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde, au pardon, plutôt qu'au fait mercy. Plutôt qu'aux lois, aux nouvelles lunes et tout ce que vous proposez. Not for the feast, not for the new moon. La loi que nous devons connaître aujourd'hui, the law we have to know today, qui nous justifie aujourd'hui, justifies, la loi de l'esprit de vie en Jésus, is the law of qui nous a franchi de toute autre forme de loi, who can, who qui peut libérer l'homme, who can liberate the soul. Lisez-moi Tite 1, 13 à 16. Let's read Tite 1, verse 13 to 16. On va un peu plus vite. Let's read more fast. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Je rappelle ceci. I don't remember this. Cette Pâque, qui est la Pâque chrétienne, this Pâque, who is the est la délivrance du péché du monde, is a deliverance from et de ses rudiments, and from all the base. Christ nous donne ainsi la liberté, Jesus give us de vivre notre the foi freedom sans crainte, to suffer sans our aucun pain joug, without any yoke, judaïque, any païen, yoke, pagan yoke. Mais avec un esprit renouvelé, with a renewal et un cœur sincère, and sensory, par sa mort, by his death, et sa résurrection, and his resurrection. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Sa mort représente quoi? His death. Le règne de la mort. Represent the parce que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. The c'est pour dire la mort a régné to Moses. Depuis Adam jusqu'à la loi. Since Adam till Moses. Et la résurrection de Jésus représente que la vie régnera pour toujours et pour l'éternité. Alors, and for everlasting, ceux qui ont fait recours à la loi, those who make ils vont toujours dans la mort. Will stay in the death. Parce que lorsqu'ils lisent la loi, un because voile se jette sur le when visage. They are reading the law, et ce voile, c'est le voile de Moïse. They had a cover parce que Moïse mettait un voile à cause de la gloire qui était sur son visage. Et pourquoi? Parce que le peuple ne pouvait pas garder et porter et regarder cette lumière et cette gloire. Because people can face this glorious mais aujourd'hui, light Christ n'a pas fermé son visage. Today, mais il est venu à visage découvert afin que la vérité soit éclatée. So the truth will be known. Mais Moïse, au temps de la loi, in the time of law, cachait la gloire qui était I had in the glory, parce que ce n'était pas au moment où elle devait être because révélée. It not the moment that voilà pourquoi personne n'entrait dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, à cause de la gloire qui était là. Of the glory mais cette gloire there n'était pas encore révélée jusqu'au temps où Jésus-Christ est venu et qu'il était à la croix. And was at il a cross brisé le rideau qui était dans le temple et il a séparé la loi. And separate the law. Et maintenant, il a donné une nouvelle loi. And give a new law. Pour qui est la loi de la franchissement et de la liberté. The law et c'est depuis ce jour que nous pouvons entrer dans le tabernacle. This is that the nous pouvons entrer dans le sanctuaire. Et nous pouvons aussi entrer dans le lieu saint. We also ainsi que le lieu holy très saint. And the holy big holy. And the holy saint. Et dans le lieu très saint,
Nous pouvons communier facilement avec Dieu. We can have communion with easy communion with God. Et ce lieu très saint représente quoi? His holy place représente notre cœur. Represent our heart. Le lieu le plus secret. Où est le secret? Je veux dire, quand tu veux prier entre dans le lieu secret, when pray où se trouve ton place, père? Who is et your Dieu father? Ton père t'écoutera dans le lieu secret. You in the parce que c'est dans le lieu secret que nous pouvons retrouver Dieu. Secret place we can find God. Pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Happy are those who have parce que le cœur pur, c'est le lieu très saint où Dieu habite. Because they have mais celui qui n'a pas le cœur pur, Dieu ne peut pas habiter son cœur. God can say in his place. Gloire à Jésus, lisez. Glory to Jesus. Let's read it one. Tite chapitre 1 à partir du verset 13. Oui. Ce témoignage est vrai. Oui. This is true. C'est pourquoi reprends-le sévèrement. Therefore, écoutez bien, sharply. Listen carefully. Oui. Afin qu'ils aient une foi saine. So that they will be sound in the faith. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. And will pay no attention to Jewish myths. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Human commandment. Il dit à Tite, reprends-les sévèrement. Paul said to Tite, c'est-à-dire, reprenez l'église de Dieu sévèrement. Sévèrement. Pour qu'ils ne s'attachent pas. Severely. C'est-à-dire, au raisonnement humain et au rudiment judaïque. And to the basis of Judaism. Paul n'est pas un juif, oui. Paul is a Jew. Paul est à la fois juif et à la fois romain de nationalité. And Roman for nationality. Mais Paul a compris Christ. But he understood et il a compris qu'en réalité, tout ce que le peuple recherchait what the people need. Était Christ. It was Christ. Mais un voile était jeté sur leur visage. But they had covered their face. Pour ne pas connaître en réalité la profondeur. The deeply. Et c'est pourquoi Moïse se cachait les yeux. Why Moses has higher et il n'était pas permis que le peuple entre. That the people dans le lieu très saint. In the holy place. Et maintenant, and now, ce lieu est à découvert. This place is open. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Continue la lecture. Let's continue. Tite 1, le verset 15. Oui. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu veux pour all things are pure. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. But to those who are not ceux qui demeurent incrédules, à la sainte doctrine, to the sound doctrine, ne sont pas purs. Are not pure. Parce que c'est la doctrine qui sanctifie. Because it's the doctrine who makes sanctification. C'est la doctrine qui libère. It is the doctrine who liberates. Et c'est la doctrine qui restaure. It is the doctrine who restores. Alors ceux qui se rebellent so à la doctrine du Seigneur for the will, marchent dans l'incrédulité, dans l'égarement. Et ils ne peuvent jamais connaître les voies du Seigneur Jésus. They will not know the ways of Jesus Christ. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Que représente pour nous la Pâque? What represent for us? La Pâque a sa signification pour nous. He has his sign. Je viens de dire us. Que la Pâque c'est notre délivrance du péché. C'est notre liberté. Deliverance from sins. It is our freedom. La Pâque c'est notre, c'est comme notre exode. It is like our exodus. Quand je parle de l'exode, je parle du départ. It is our departure. De la vie d'impudicité. From de la vie du monde que nous avions autrefois from the life we have over time, vers une nouvelle vie to another one new et life. Nous pouvons aussi dire que la Pâque and we can say that que nous devons célébrer aujourd'hui that we can celebrate qui représente today, notre délivrance who is our deliverance, c'est notre nouvelle naissance is our newborn, que nous obtenons par la foi that en Jésus we obtain by the faith et par l'observation totale and the observance of des lois spirituelles the law of spiritual qui sont les lois de l'esprit de la vie que Jésus nous donne. Spirit of life, spirit of life that Jesus gave us. Prenez le livre de Matthieu 26. Let's read in Matthew 26. Nous allons faire une analyse. We make analysis. Une analyse descriptive. Descriptive avec que vous puissiez comprendre quelque chose. So you will understand something. Matthieu 26. Oui, le verset 26. Verset 26, je lis au nom de Jésus. Pendant qu'ils mangeaient, while they were eating, Jésus prit du pain, Jesus took bread, et après avoir rendu grâce, and when he had given thanks, il le rompit, he broke it, et le donna aux disciples, and gave it to his disciples, en disant, saying, prenez, mangez, take and eat, ceci est mon corps, this is my body.
Il prit ensuite une coupe. Then he took a cup. Et après avoir rendu grâce, when he had given thanks, il la leur donna. He gave it to them, en disant, saying, buvez-en tous. Drink from it, all of you. Car ceci est mon sang. This is my blood. Le sang de l'alliance. Of the covenant. Qui est répandu pour which plusieurs. Poured out for me. Pour la rémission des péchés. For the forgiveness of sins. Okay. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous avons vu que Jésus, we see that Jesus, à la table, à la veille de la Pâque, at the previous day from c'est-à-dire Easter, à la veille de la Pâque juive, at the previous day from parce qu'en ce moment, il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. He was not there, he was pour not la révélation right. du vrai sens spirituel de la Pâque n'était pas donnée so à ses disciples. The meaning of the Easter donc, cette veille pour leur rappeler. Pour leur montrer qu'en réalité, to show them la vraie Pâque, that the real pour leur montrer plutôt la vraie Pâque, to show them the real Easter, il célèbre avec eux cette nuit-là. That et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici ceci est mon sang. See, this is my blood. Ceci est mon corps. This is my, my que j'ai body. Donné pour vous. I gave mon you. Sang qui a été répandu. My blood was given et to vous. Faites ceci en mémoire do de it moi. In memory of et me. Avant, il avait dit déjà aux 10 disciples, si and vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'hériterez pas blood, de mon royaume. Drink my blood, do not eat my ici, my le blood, sang représente quoi? Le sang représente la vivification par le Saint-Esprit. The vivification by the Holy Spirit. Le sang représente l'Esprit que nous recevons. It represents parce que dans Jean 6, dans Jean 6, 63, in John 6, verse il est écrit que l'Esprit vivifie, c'est l'Esprit qui vivifie. It's worth writing that it is spirit. Et la chair ne sert de rien. And the blood is nothing. Gloire à Jésus. Glory to et Jesus. Maintenant, le pain que Jésus les avait donné représente quoi? Jesus gave to them represent la sanctification qu'il était en train de les accorder par sa parole. That he gave them parce que le pain représente la parole. The et le sang représente quoi? Le Saint-Esprit. Is the Holy Spirit. Donc, en ce moment, ils that ont moment, pu ils ont assisté à un repas. They assist to the feed. Un repas divin. A divine feed. Qui est le vrai repas du Seigneur? Who is the real feeding of God? Qui est la célébration ou le rappel de la vraie Pâque? Who is the celebration of the real Easter? Qui est le sang de Jésus? Who is the blood et le corps de Jésus? Jesus and the et dans son application and au sens figuré ou spirituel, of, cela signifie quoi? That mean. Cela signifie que Jésus-Christ aujourd'hui Jesus today doit être en nous par son sang by his et par aussi sa parole. And also by et nous devons nous évertuer de vivre sa we parole, have to manger to sa eat, parole to eat qui est le pain et aussi de vivre par and son sang qui est le Saint-Esprit. To live by his blood, who is the Holy Spirit. Et c'est pourquoi vous allez voir you will see ce qui a été la préfiguration what dans is the prefiguration le désert où le peuple de Dieu mangeait la manne fraîche qui descendait du ciel et buvait du rocher from the desert, du rocher spirituel and que l'apôtre Paul nous a rappelé dans 1 Corinthiens 10 that en disant Paul qu'il mangeait un aliment spirituel et un rocher qui était Christ. Feed and drink at the rock. Gloire à Jésus. Christ. Donc nous aujourd'hui, la vraie Pâque que nous célébrons, the real est Christ que nous célébrons tous les jours, Christ we celebrate que nous commémorons tous les jours, we commemorate each que day. Nous glorifions tous les jours, we glorify each day. Et que nous rappelons and we think about la mort it. Et la résurrection, the death and the resurrection, en nous approchant de sa table, coming to his table, pour communier avec son esprit, to commune with his spirit, par le repas, by the feeding, de la Pâque que nous prenons, of the Easter. Lisez-moi vite Hébreux 10, 14 et nous allons avancer. Let's read in Hebrew 10, verse 14. Hébreux 10, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Car par une seule offrande, for by one car par une seule offrande, c'est-à-dire l'offrande de Jésus-Christ, il a amené à la perfection pour toujours. He has made perfect forever ceux qui sont sanctifiés. Those who are being made holy. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. The Holy Spirit also testified to us about this. Car après avoir dit, first he says, voici l'alliance que je ferai avec eux. This is the covenant I will make with them. Après ces jours-là, after that time, dit le Seigneur, says the Lord, je mettrai mes lois dans leur cœur. I will put my law in their hearts.
et je les écrirai dans leurs esprits. And I will write them on their minds. Il ajoute, that he had, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Thy sin and lawless act I will remember no more. Ni de leurs iniquités. And where these have been forgiven. Lisez la fin. Or, là où il y a le pardon des péchés, sacrifice for sin is no longer il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon pour le péché, where we have pardon, mercy, il n'y a plus les offenses, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Offering for the sin. Parce que Christ a été l'offrande, because Christ was et c'est pourquoi il a effacé là dans les ordonnances nous and he raised all the et il a cloué à la croix. Donc nous, on the cross, en tant que chrétiens, we like cross Christian. Pour célébrer la vraie Pâque, selon que Christ le veut, non seulement nous nous réjouissons, non seulement nous glorifions Dieu, non seulement nous sommes reconnaissants et exprimons notre gratitude, mais aussi nous devons manifester cette joie, we have to manifest this joy, en nous approchant de Dieu par la sanctification. Approaching to God by the sanctification. Et ici, vous allez voir qu'il and est écrit que it was Dieu lui-même mettra ses paroles en nous, comme il avait dit dans le livre de la prophétie. Et cela sera la nouvelle naissance que and Dieu lui-même fera will en be the new nous, afin de nous permettre de vivre une vie de sanctification. So we qui lui est agréable. Et c'est pourquoi lui-même nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, d'abord dans le livre de Romains 6, first in Roman 6, il dit par la bouche de l'apôtre Paul. By je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, by the compassion of Christ, à vous à rendre un culte raisonnable à Dieu, to deliver en offrant votre corps to give en sacrifice, in sacrifice, et qui sera encore de votre part un culte which raisonnable will be reasonable et agréable. Donc, ce que Dieu veut en réalité pour nous. What God c'est to faire, le culte raisonnable, it is a reasonable de même que Christ s'est offert lui-même like en offrant son corps, il faut que nous-mêmes we nous rendons à Christ, we have to gather to Christ en lui offrant notre corps to give us, to give him our body, pour ainsi nous sanctifier. To be sanctified. Et c'est pourquoi le chrétien qui it's ne comprend right. pas le sens de la sanctification, the Christian who didn't know the meaning of sanctification, ne connaît pas la Pâque. Didn't know the Easter. C'est pourquoi quand tu célèbres la Pâque un when jour, celebrate deux jours, one day, trois two jours, day, three ou chaque days, année, each year, et que tu ne comprends pas le vrai sens caché don't derrière really la Pâque, know the real meaning of Easter, tu ne peux pas émerger dans ta vie chrétienne. You can't come up tu vas célébrer life, la Pâque. Christian life. You celebrate fêter la Pâque comme les Juifs. You celebrate like Jew. Mais tu ne comprends pas. But you will not understand la manière dont Christ veut que la Pâque soit célébrée the en manner vous. Christ wants the celebration of this day on you. Quand vous lisez bien le livre de 1 Corinthiens 6. When you read the book of 1 Corinthians 6, 6, il est écrit quoi? It was written que nous sommes le temple de Dieu. That we are the temple 9. Of God. Et que Christ vit en nous, Dieu vit en and nous. Christ, God live in us. Et dès lors que Dieu vit en nous, c'est-à-dire la Pâque est en nous. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. We don't obtain of us. Et c'est pour cela nous devons nous sanctifier. We have to sanctify notre corps parce que Christ vit en nous. Because Christ et celui qui ne sanctifie pas est en train d'exposer Christ. The one who is not sanctified de nouveau à l'ignominie, c'est-à-dire au péché, is bringing Christ to suffering. Et au châtiment qu'il avait déjà porté pour nous à la croix. To everything that he donc celui qui ne se sanctifie pas aujourd'hui, the one who is not sanctifying himself today, est en train de remettre en cause la vraie Pâque chrétienne. He's turning around parce qu'il renverse le vrai fondement, because he reverse et il se moque de Christ, foundation, il se moque du fondement and hand et il ne pratique pas la volonté parfaite and he didn't de Dieu. Practice the will, perfect will c'est in pourquoi si nous voulons que notre Pâque soit réellement agréable if you want et agréable that will be par Dieu, il faut que non seulement nous comprenons que cette Pâque ne se we célèbre pas that en un seul jour not be done in one day, comme le font les Juifs like the Jews do, parce que le sacerdoce lévitique a été changé Leviticus, sacerdoce et que l'ordre d'Aaron n'existe plus and the order of Aaron au détriment de l'ordre Melchisedec. Mais il faut que nous sachions également we should know que notre vie doit être that our life
Une image will be an image qui glorifie Christ, who glorify. Une image qui se sanctifie, an image who sanctify. Et qui sanctifie également Christ, and sanctify also Christ. Parce que Christ désormais vit en nous. Because Christ. Et si nous voulons réellement manifester, if you want really la Pâque, manifest, vivre la Pâque, et reconnaître Easter and recognize, ou connaître le vrai sens de la grâce de and Dieu, know the real meaning of the Easter. Nous devons nous-mêmes nous abandonner. We have each other entre les mains du Seigneur, leave qui est l'esprit de la grâce, in the end of Christ, qui the nous a promis la sanctification, he promised en lui demandant de nous sanctifier, and asking et en nous séparant également du monde. And to separate ourselves from 2 Corinthiens 6, le verset, let's read 4, à partir du verset 14 Corinthians 6, verse à 17. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Do not be yoked together with unbelievers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? For what do righteousness and wickedness have in common? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Or what fellowship can light have with darkness? Lisez-moi le verset 17. Verse 17, please. Le 17. Oui. C'est pourquoi, therefore, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Lord. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. And I will receive you. En réalité, c'est ça même la Pâque que nous devons célébrer. This is the Easter we have to celebrate. C'est ce qui devait être la joie des vrais chrétiens. It is what will be the joy of the real Christians. Parce que si vous souvenez même, if dans you know, la Pâque juive, lorsque le Seigneur in the Jewish, when Christ is il avait dit quoi? Il a dit de séparer l'agneau sans tache. Séparer de et après ça, on prend le sang de l'agneau qui est sans tache pour mettre devant les linteaux. Take the blood and put it on the. Les linteaux représentent quoi? Les linteaux représentent la vie, l'âme de aujourd'hui de vous les enfants de Dieu. Of Christian et quand nous vivons la sainteté, when we are running par l'Esprit de Christ qui est innocent, by the Spirit of God, l'Esprit innocent, de Christ qui est sans tache, the Spirit of God who is without tache, qui représente l'agneau dans la Pâque juive, who represent the et que nous appliquons son sang qui est le Saint-Esprit, and we apply his blood who is the holiness, il nous sera libre de nous sanctifier, will be free sans difficulté, et l'oppresseur, c'est-à-dire l'ennemi, le tentateur, l'accusateur ne pourra plus jamais entrer dans notre cœur, entrer dans notre vie, entrer dans notre corps, qui est désormais la demeure de l'Esprit de Dieu. Belong to God. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Qui comprend le vrai sens de la Pâque? Who know the real sense of Easter? Qui comprend le vrai sens de la Pâque? Who know the real sense of Easter? C'est pourquoi Dieu demande la sanctification. It is why God asks the sanctification. La vraie Pâque, c'est la sanctification du croyant. The real Easter is the sanctification of the believer. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'est-ce qu'il dit? In book of 1 Thessalonians 1, il dit que le Dieu de Paix vous sanctifie corps, âme, esprit et vous prépare pour l'avènement du Seigneur. The God will sanctify you, soul, body and spirit, and prepare you. Celui qui se rend disponible, le Dieu de Paix vous sanctifier. Et il nous rappelle de ne pas oublier ceci. Dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, dans 2 Corinthiens 7 plutôt, il dit, 7. Ayant cette ferme assurance, having this assurance, bien aimé, purifiez-vous de tout souillé de l'esprit purify et de la chair, from iniquity and from en flesh. Achevant votre sanctification, finishing your sanctification dans la crainte de Dieu, in the fear of parce God. Que le but ultime de la volonté de Dieu pour tout homme, because the final target God for all, c'est qu'il se sanctifie, is that he has to sanctify, et c'est qui et pour qu'il demeure, and he stay dans la sanctification, in the sanctification, pour atteindre l'étape de perfection qui est la sainteté, to come to et the Romains 12 de nous holiness. Ne vous conformez pas au siècle présent, don't follow yourself to the present cycle. Mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, be transformed afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. What is good, donc la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. The will of God is et quand our on parle de la sanctification, c'est l'abandon de celui, c'est l'abandon du péché. Of et Paul dit, fêtez la Pâque sans les vieux, le vieux levain. Make feast le vieux levain qui représente le péché. Bread. Et Christ est sans levain
Parce que Christ est la vraie Pâque. Christ is the real. Christ est sans péché. He is without. Nous devons marcher selon la vie de Christ. We have to walk marcher in his life. Dans la voie de Christ. We have to walk in his marcher way. Dans la séparation des mœurs mondaines. We have to marcher dans la séparation mondaine. De toutes les lois qui contredisent la doctrine de Christ. Not be close to the law who contradicts. Marcher loin de tout essai. With coming far from all et essays. De tout péché. Qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Who is not glorified the Lord Jesus. Je veux vous dire, well, love, si vous comprenez you, le vrai sens, if you know the real knowledge de la Pâque, of Easter, tout en comprenant la loi, ce que signifie la loi, knowing what is the law, la grâce, the grace, la différence entre les deux, the difference between the dove, votre sanctification, your sanctification sera pleinement agréé par Dieu. Will be totally parce que vous avez reçu quoi? L'intelligence renouvelée. Because you have the mais celui qui n'a pas reçu l'intelligence renouvelée, the one who hasn't, il va croire que ce n'est pas sa propre force qui peut se sanctifier. Ce n'est pas sa propre puissance qui peut se sanctifier. By his only mais il oublie que Dieu lui-même dit que ce n'est ni pas la force, God ni pas la puissance, not by mais que ce n'est pas l'esprit de Dieu que la sainteté peut s'accomplir. That the sanctity will be. Donc, celui qui veut se sanctifier, the one who will be sanctified, qu'il fasse d'abord la différence entre la loi, he has to make difference between law, et la grâce, and the grace, et qu'il reconnaisse le vrai sens spirituel de la Pâque de Dieu, and he has to recognize the qui représente real la délivrance of spiritualism, du péché que Jésus nous accorde, from sin that par sa grâce qu'il nous a donné, by his, the grace he gave us, et qu'il nous donne maintenant une liberté, and give us a freedom, de vivre sans préjudice, de vivre sans aucun état de conscience souillé, mais de vivre dans la paix, dans la transparence et dans la sainteté. And transparency also. Nous allons vers la fin, lisez-moi. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, verse 22. Gloire à Jésus. Hébreux 10, 22. Glory to Jesus. Hébreux 10, le verset 22. Et après, 22. Vous lisez. Oui, d'abord lisez. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Let us draw near to God with a sincere heart. Dans la plénitude de la foi, and with a full assurance that faith brings, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, the heart sprinkling from an evil conscience, dans la sainteté, in the holiness, et le corps lavé d'une eau pure, et le corps lavé d'une eau pure, gloire à Jésus, and the body washed, approchons-nous quoi? Water. Christ est notre Pâque, n'est-ce pas? Christ pour approcher de Christ qui est notre Pâque, nous devons approcher avec un cœur sincère, we have to be sincere, et avec un corps lavé with de toute impureté et de tout suie. From all dirty. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Lisez-moi Apocalypse 22, 14 et 15. Revelation 22, verse 14 and 15. Apocalypse 22, oui. Verset 14 et 15. Je lis au nom de Jésus. Oui. Heureux ceux qui lavent leurs robes, oui, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, oui, et d'entrer par les portes dans la ville. Blessed are those who wash their robes, that they may have right to tree of life and may go through the gate into the city. Dehors les chiens, outside are the dogs, les enchanteurs, those who practice magic arts, les impudiques, oui, the sexual immoral, les meurtriers, the murderers, les idolâtres, the idolaters, et quiconque aime et pratique and le mensonge, everyone who loves and practices le mensonge, whoever lives and quiconque practice aime et pratique lies le mensonge. Ce que le Seigneur veut pour nous, what God needs to us, c'est notre sanctification. It is our sanctification. Et c'est que nos robes soient lavées dans le sang and de l'Agneau. And our dress be robed. Retenez ceci. Pour résumer. Let's resume. La loi qui a été donnée à Moïse, the law who was given to Moses, n'a pas pu sauver les hommes. He didn't save the man. Et à cause de cette imperfection de la loi de salut, Dieu a envoyé Jésus-Christ, God sent Jesus, pour restaurer la loi. To restore en éliminant toutes les imperfections, removing all the imperfections qui étaient dans la loi, who were in the law, pour maintenant accomplir la loi, and now et montrer the law, aux hommes le vrai and sens showing de la loi, the man the real et se présentant lui-même comme la loi spirituelle,
present himself to qui the spiritual a law, la loi du péché et de la mort, the sins law en s'inscrivant lui-même dans notre cœur, and introduce himself in our heart, et c'est par cela qu'il nous offre une grâce suprême, and by this he gave que nous pouvons maintenant nous approcher de lui, and we can be close parce to que him. Désormais il efface so, toutes nos offenses, he erased all puisqu'il our offenses, est maintenant le souverain sacrificateur. Qui peut entrer dans le temple, dans le sanctuaire, he can enter in the temple, in the qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est dans le ciel, who is in the even. Parce qu'il n'offre pas un sacrifice pour lui-même, mais il représente le sacrifice perpétuel, victime expiatoire et propitiatoire pour tous ceux qui doivent être sauvés. Who has been saved. Et si nous comprenons cela, when we understand that, nous allons comprendre aussi que we should know, après cette grâce qu'il nous a accordée, the grace, il nous a totalement délivré du péché, he has delivered from sin, par son propre offrande, by his own offering, qui représente son corps, who is his body, et il nous a libérés totalement, and he free us, en nous demandant de nous séparer des fêtes païennes, to separate from des the ordonnances judaïques, from the other des préceptes judaïques, from the Judaism, parce qu'il représente toute la loi et les prophètes. He represent all the law and the prophets. Et si nous comprenons toutes ces choses, and we understand all those things, il nous recommande quoi? He recommends de nous sanctifier, to sanctify ourselves, pour l'honorer, pour le glorifier, to glorify him, en achevant toute la loi and et les prophètes. And the prophet, que toute la gloire soit rendue à Jésus. May all the glory to Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Clap to the Lord Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Clap to the Lord Jesus. Qui a compris le vrai sens de la Pâque? Who has understood the real meaning of? Qui a compris la loi et la grâce? Who understand the law and the grace? Et la sanctification. The sanctification. Qui acclame le Seigneur Jésus? May clap the Lord Jesus. Et pour finir, je veux vraiment exhorter le peuple de Dieu. To finish, have à demeurer ferme dans la doctrine du Seigneur. To be close, parce qu'en ces temps, il y a beaucoup de vent de doctrine qui circulent. Et le but de cette doctrine, c'est de vous ravir de la vraie bergerie du Seigneur. They want to remove you from the bed. Alors que chaque brebis du Seigneur s'est vêtu à marcher selon la parole de Dieu. Stay on the à se nourrir de la vraie parole de Dieu. Nourish himself from the best word. À se nourrir aussi de l'aliment spirituel. And feed himself from the spiritual. Qui représente le sang de Jésus, who le corps de Jésus, the blood of la parole de Dieu, the body of et le Saint Esprit. The word and the Holy Spirit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. May the God bless you. Et que vous soyez prêts à refuter les discours, may you have to et tous ceux qui se lèvent contre la loi de Dieu, again, those la parole de notre Seigneur and Jésus the Lord of our Jesus Christ, Jesus. Je vous aime, gloire à Jésus. I love you.